Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une série d'exercices de la leçon les oscillations libres d'un circuit RLC. Alors dans cette vidéo, on va faire l'exercice 1. Allez-y, on a ici un exercice sous forme de QCM. Alors il est composé de quatre questions. On va commencer par la première question de cet exercice-là. Voilà, on a Adam affirme pouvoir réaliser un oscillateur à l'aide de tout condensateur de capacité C et de toute bobine d'inductance L, telle que la période de cet oscillateur, soit T0 est égal à pi L carré C. Est-ce que possible de réaliser un oscillateur avec un période propre T0 est égal à pi L carré C? Normalement, pour faire un oscillateur avec des condensateurs et des bobines, alors normalement, on trouve la période propre, d'accord? T0 est égal à 2π racine LC. On met PL carré C. Alors, Adam, il ne peut pas réaliser cet oscillateur-là, d'accord? Alors, la bonne réponse ici, c'est non. Ça marche? Puisque T0 est différente à 2π racine LC. Normalement, il est derrière l'oscillateur, il a la période d'IELO, T0 est égal à 2π racine LC. Alors, dans ce cas, on peut dire que ce truc-là, il est réalisé. Alors, deuxième question. Quand on diminue la valeur de la résistance dans un oscillateur électrique LC, on diminue son temps d'amortissement. On a qu'un alpha, on a. La résistance, il y a la responsable sur l'amortissement. Alors, il y a un la courbe, fait le sens R1. Il a dire la courbe R2. Je vais changer la couleur, comme ça, je vais dire la deuxième courbe. Alors, quand je vois l'atténuation de c'est-à-dire, on est là, la courbe de R2. Alors, à votre avis, je connais la résistance qui vient à faire juge. Bien sûr, la résistance qui vient, il y a l'atténuation ou l'amortissement rapide. Alors, R2, c'est R1 inférieur à R2. Alors, lorsqu'on augmente la résistance, l'amortissement augmente. Et que la résistance qui vient, derrière qu'on derrière qu'on a l'amortissement rapide. Voilà qu'il est quand la résistance sera, l'amortissement qui sera. Est-ce que l'on non, parce qu'on diminue la valeur de la résistance. Yani R diminué, on diminue le temps d'amortissement. Alors, c'est le temps d'amortissement, bien sûr, il sera. Alors, la proposition a dit, elle est vraie. C'est clair? Alors, il y a la troisième question. Alors, la couleur rouge d'Yali. Alors, si on augmente la capacité d'un condensateur, d'un oscillateur électrique LC, on augmente la période propre de l'oscillateur. Alors, un chauffe-eau. Est-ce qu'il savait la période propre T0 est égal à, c'est la première question, 2π racine LC. Alors, le déma, il y a l'expression, il a que l'inductance L, T0, qu'est-ce que c'est? Il a que la capacité. T0, qu'est-ce que c'est? Iden, est-ce que les homa, si nous les augmentons la capacité, il a que la capacité, qu'est-ce que c'est la période propre? Ce qui est logique, il a que c'est, qu'est-ce que c'est T0? Iden, la réponse, c'est vrai, d'accord? Fermine. Alors, la question suivante. Si dans un oscillateur électrique LC, on multiplie par 2 la capacité du condensateur et par 2 l'inductance de la bobine. D'accord? Yani, L' 2L, C' 2C. On a T0 2π racine LC. La période propre, multiple de la période propre T0 fois 1 ou la fois 2 ou la fois 4 ou la fois 16. Alors T0 prime
Est-ce que tu comptes ça? Oui, y est de pi racine L prime fois C prime. Alors, T0 prime, est-ce que tu sais où il est? Y est de pi racine L prime, est-ce que y a? Y est de L, ou C prime, y est de C. Alors, y est de pi racine de 4 fois L, C. 4 la bête, j'aime la racine, est-ce que y est 2? Est-ce que y est T0 prime est égal à 2 fois 2 pi racine L, C. وشنو هي 2 بي راسين ال سي؟ هي تي زيرو. اذا راه تعطيني هي 2 فوا تي زيرو. اذا لا ريبونس صحيحه. اون ملتيبلي لا فالور دو لا بيريود بروبر فوا 2. يعني الا ضربنا استعملنا واحد لا كاباسيتي اللي كتساوي الدوبل ديال لا كاباسيتي اللي كانت قبل، واحد لانديكتونس اللي كتساوي الدوبل ديال لانديكتونس اللي كانت عندي قبل، اوتوماتيكمون لا بيريود بروبر اللي غتولي عندي جديده غتكون كتساوي الدوبل ديال لا بيريود القديمه. وحنا شفنا هذا الشيء بار كالكول. الوغ تي زيرو ايتيغال دو فوا لا بيريود بروبر تي زيرو. ليكزيرسيس 2، الوغ اون سو بروبوز دو رياليزي لاكيزيسيون دو لا تونسيون يو سي او بورن دو كوندونساتور دان دي بول ال سي، داكور، relié à un module électronique permettant d'éviter l'amortissement des oscillations. D'accord? Voir le schéma ci-contre. On a une bobine de coefficient d'induction L et de résistance interne. Et on a une capacité de un condensateur de capacité C. Ici, on a un module électronique qui va empêcher de l'amortissement, c'est-à-dire il va compenser l'énergie perdue par l'existence de la résistance dans la bobine. D'accord? Alors, un élève réalise l'acquisition suivante. La première question, déterminer graphiquement. Il est possible de déterminer graphiquement. La courbe, le graphe. Petit a, la période T0 de cette tension. Petit b, l'amplitude EM de cette tension. La deuxième question, quelle est la valeur de la tension UC à la date T est égal à 0? Alors, je dois la courbe. Troisième question, l'expression de la tension UC en fonction du temps s'écrit sous cette forme. UC est égal à UM, Umax, sinus 2P sur T0, T plus phi 0. D'accord? Phi 0, c'est la phase à l'origine. D'accord? UM, c'est l'amplitude. T0, c'est la période propre. Petit a, en utilisant les valeurs numériques déterminées précédemment, T0, UM, phi 0, la solution, UM la courbe, la graphe, T0, phi 0, après l'expression, tension UC. D'accord? Allez-y. Alors pour la détermination de la période, عندنا كما كنشوفوا الجراف عندنا واحد فونكسيون سينوسويدال كما كنشوفوا انها بيريوديك. Alors la période من الماكسيموم للماكسيموم. Alors من هذا لو بوين حتى لو بوين هذا. Alors من هنا لهنا سي la période T0. Alors T0 شحال فيها؟ نشوفوا شحال فيها من مربع. Alors الا شفنا هنا كاين لا مواتي ديال هادي حتى لا مواتي ديال هادي. الوغ هنا كتبان لنا انا عندي دو كارو، وكل كارو شحال فيه؟ شوفو هنا كل كارو فيه 1 ملي سكوند. يعني تي زيرو بوتي تا تي زيرو تيكالا 2 فوا 1، يعني دو كارو فوا كل كارو فيه 1 ملي سكوند. عطينا تي زيرو تيكالا 2 ملي سكوند. هذا c'est la période propre. Petit b, l'amplitude maximale. L'amplitude maximale, il y a axa qima qui oscille la tension d'ali. Alors, c'est de la projection sur l'axe vertical. On dit la projection sur l'axe vertical. Jinif 4 iden d'après la courbe UM est égal à 4. Alors, qui m'insèche l'unité, je vous dirai entre parenthèses V, c'est-à-dire volt. 4 volts. Donc, il y a UM. Allez-y. La deuxième question, quelle est la valeur de la tension UC à la date T est égal à 0? C'est simple. Ramchil, l'instant T, l'axe horizontal, il fait le temps. Ramchil, c'est 0. C'est 0 qui est là.
باش كانت تي كتقال صيرو شحال كان كيساوي يو سي؟ اذا كان هنا طونسيون كان هنا، اذا حتى طونسيون يو سي ا تي تيغال زيرو تيغال زيرو، يعني يو سي ا تي تيغال زيرو دابخي لا كورب تيغال زيرو فولت. On a trouvé ça graphiquement. D'accord? C'est clair? La troisième question. D'abord, on a UM. On a T0. On a phi 0. Je dirais qu'il y a phi 0. C'est ce qu'on appelle la phase. La phase à l'origine. Ça veut dire quoi? À l'origine, il y a T est égal à. T égale à 0. Alors UC, il y a UM sinus 2π sur T0T plus phi 0. Alors à T est égal à 0, UC de T. UC de T est égal à 0. Fait mal le temps à T0. UM sinus 2π sur T0 fois 0. Plus fait 0. T est égal à 0. 0 fait chier, rien à 0. Je prends l'IA. UM sinis phi 0. Elle dit UC à T est égal à 0. La question l'herbe, je peux UC à T est égal à 0, je vais faire la courbe. La courbe, il y a le point. Il y a 0 volt. Il y a un hadi qui est égal à 0. Alors, elle chier, rien à non. UM. Sinus phi 0 est égal à 0. Alors sinus de phi, had UM a dit 0, là c'est 0. 0 est égal à 0. Ce n'est l'angle sinus direct est égal à 0. C'est l'angle 0. Sinus 0 est égal à 0. D'accord? Après, la phase à l'origine est égale à 0. Fermez. Allez-y. Maintenant, écrire l'expression de la tension UC. عندنا U max, عندنا T0, عندنا phi 0, عندنا كل شيء. Alors, on a U, l'amplitude maximale est égale à 4 volts. T0 est égal à 2 millisecondes. Ou عندنا CD, la phase phi 0 est égale à 0. On remplace la solution, on a fait la solution. Ça marche. Alors, UC est égal à 4 sinus 2π à 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois t plus 0. On simplifie 2 à 2, on a UC est égal 4 sinus pi fois 10 à la puissance 3 ou bien 10 à la puissance 3π, ça prend 10 à la puissance 3. T 0 manque, je vais avoir la solution tension UC, c'est la solution de notre équation. Faire l'exercice 3. Voilà, on réalise le circuit de la figure 6 contre. La capacité du condensateur est égale à C est égale 10 microfarads. Le condensateur initialement chargé d'une charge de charge négative est égal à moins Q0. La résistance de la bobine est négligeable, c'est-à-dire petit R est égal à 0 ohm. D'accord? Il n'y a pas de résistance dans ce circuit-là. Et son inductance vaut L est égal à 100 mH. À l'instant T est égal à 0. On ferme l'interrupteur K. Le condensateur se décharge dans la bobine. On a ici trois questions. La première question, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, quel phénomène se produit dans le circuit? Bien sûr, le phénomène, c'est la décharge du condensateur. Établir l'équation différentielle liant la charge Q portée par l'armature de gauche du condensateur et sa dérivée seconde par rapport au temps. D'une autre manière, l'équation différentielle vérifiée par la charge. Point barre. Deuxième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme. Q de T est égal à Q max cosinus 2P sur T0T plus phi 0. Alors on peut remarquer que c'est une solution sinusoïdale puisque on a un circuit LC, il n'y a pas d'amortissement, d'accord?
Alors, déterminer l'expression latérale de la période T0. C'est-à-dire, on cherche l'expression de T0, d'accord, du circuit, et calculer sa valeur numérique. Très bien. Troisième question, en utilisant les conditions initiales, déterminer les constantes QM et Φ0. Allez-y. Pour la première question, c'est juste le phénomène qui se produit. C'est simple, c'est un phénomène de charge d'un condensateur. Phénomène de décharge d'un condensateur. D'accord? Et maintenant, on va déterminer l'équation différentielle. Vérifiée par la charge. Alors, on ferme un interrupteur. On a l'intensité de courant I, on a tension UC et tension UL. Alors, la somme UL plus UC est égale à 0. Alors, on a une bobine parfaite, c'est-à-dire la résistance n'existe pas. Alors, c'est L DI sur DT plus UC est égal à 0. Alors, on a Q est égal à DQC fois UC et I est égal à DQ sur DT. Alors, la dérivée de I, de cette I-là, DI sur DT est égal à D carré de Q sur DT carré. C'est-à-dire, on va remplacer la dérivée de l'intensité par rapport au temps par la dérivée seconde de la charge. Et pour UC, on va remplacer UC par Q sur C. C'est clair? Allez-y. L fois la dérivée seconde de la charge plus, au lieu de mettre ici, on va écrire Q sur C. Alors on va multiplier, est égal à 0 bien sûr, on va multiplier fois 1 sur L. On obtient dérivée seconde de Q sur dt carré plus 1 sur L C Q est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par la charge. D'accord? C'est la relation qui lie la charge Q. D'accord? La charge Q et la dérivée seconde. Ça marche? Allez-y. La question suivante. Déterminer l'expression latérale de T0. Alors pour trouver T0, on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. Allez-y. On a l'équation différentielle s'écrit sous cette forme. La dérivée seconde de Q sur dt carré plus 1 sur LC UQ est égal à 0. Voilà l'équation. Alors pour remplacer cette solution dans l'équation différentielle, on peut remarquer que on a ici la dérivée seconde, c'est-à-dire il faut calculer la dérivée seconde de cette fonction-là. Alors pour faire ça, on va calculer en premier temps la première dérivée première, après on va trouver la deuxième dérivée. Alors on fait la première dérivée, c'est dq sur dt. Alors dérivée de cosinus, c'est moins sinus, alors c'est moins qm fois 2π sur T0 sinus de 2π sur T0t plus Φ0. Et là, notez bien que la dérivée de cosinus A de T plus B, la dérivée de ça, est égale à moins. ونخرج داك الشيء اللي مضروب في تي نحطه قبل منه عادش ندير الديريفي ديال الكوس اللي هو السينيس ونكتب كل شيء A دو تي بلس بي دو ميم مانيير سينيس A دو تي بلس بي بريم ديالها الديريفي ديال السينيس هو الكوسينيس وكنخرج داك الشيء اللي مضروب في تي هي A كوسينيس A دو تي بلس بي فوالا هادشي هو اللي كنابليكيو دابا فاهمين دابا دي 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 د
moins Q de pi sur T0, à des max. C'est une constante. Alors, il y a des dérivés de sinus. Dans les dérivés de sinus, quand on cherche le chi, il y a un T, ou quand on cherche le cosinus, il y a un chi. هذاك الشيء هو هذا الشيء اللي كندير ليه انا تنقول لي هذاك الشيء باش نبقى نقرا على شاك فوا 2 بي سور تي 0 تي بلس في 0 كنقول لي هذاك الشيء الوغ شنو نضرب في تي 2 بي سور تي 0 غتخرج برا 2 بي سور تي 0 الديريفي ديال السينيس هو الكوسينيس كوسينيس ديال 2 بي سور تي 0 تي بلس في 0 نشر لي هذا الشيء غتعطينا ناقص كيو ماكس fois 4 pi carré sur T0 au carré cosinus de pi sur T0 qui va c'est l'ilgaya ah, dit dérivé seconde. Maintenant on remplace la solution dans l'équation différentielle. Voilà. Ah, l'équation différentielle. Parce que je vais dériver seconde. Ou à ou moins Q max 4 pi carré sur T0 au carré cosinus de pi sur T0 T plus phi 0. Et je encore plus 1 sur LC Q max. La solution est en ligne cosinus de pi sur t0t plus phi 0 est égal à 0. Ce qui veut dire, chebeb, q max cosinus, q max cosinus, que tu as dit, q max cosinus, q max cosinus, j'en aime le bien, c'est un q max cosinus de pi sur t0t plus phi 0, d'accord, facteur, alors façon de drop à 4 pi carré sur t0 au carré, ou dit façon de drop zaïd ou la lc, taxi facile, ça oui 0. Alors, et d'achna ou ada, j'aime il faut que ou est-ce qu'il faut qu'on ait la tonne homa, achna ou est-ce qu'il y a da, alors la solution, alors la solution, ma mère, c'est oui, il إذن هذا الشيء اللي مضروب في لا سوليسيون هو اللي كيساوي صفر باش يعطينا في الاخر زيرو. الوغ اون تروف داكوغ كو موان 4 بي كاري سور تي زيرو او كاري بلوس 1 سور ال سي ايتيكالا زيرو. هادي هي ليكواسيون اللي لقينا. من بعد غنجبدو من تي زيرو غنديو هادي الجهة الأخرى تعطينا موان 4 بي كاري سور تي زيرو او كاري ايتيكالا ناقص 1 سور ال سي ناقص هنا وناقص هنا غيوليو زائد. ودابا خصني نجبد تي زيرو. تي زيرو او كاري غنجيبها هنا و ال سي غنجيبها هنا الطرفين يبدا الوسطين. سامارش سامارش فوالا جو في افاسي سا اي جو في كونتينيي ايسي داكوغ. الي سي ندير واحد تخي هكا تخي هكا ونكمل اش تعطيني تعطيني تي زيرو او كاري ايتيكالا 4 بي كاري ال سي. حنا علاش كنقلبو على تي تي زيرو. الوغ تي زيرو ايتيكال لا غاسين ديال هادشي لا غاسين ديال هادشي. هنا هاد 4 هي 2 او كاري يعني هاد 2 بي مع الغاسين او كاري غتحيد تبقى هي 2 بي غتخرج برا. شكون غيبقى وسط الغاسين ال سي. Tu as l'expression latérale de la période propre T0. Fermine. Alors, je vais après. Je vais calculer sa valeur. Fermine. Je vais calculer la valeur de T0. Je vais calculer la valeur de T0. Je vais calculer la C. Alors, on a C ou on a T0. Alors, je vais aller dans ce diélo. Alors, je vais aller dans ce diélo. Voilà. C'est 10 millifarad, 10 microfarad, ou L c'est 100 millihenry. Ça marche? 10 microfarad, 100 milli. 10 micro, 100 henry. Alors T0 est égal à 2 pi, la racine de 10
fois 10 à la puissance moins 2, moins 6, le microfarad, le farad, fois 100, fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Alors, dès le calcul, il y a comme seconde. C'est clair? On a déjà calculé l'application numérique. Alors, voilà faire l'application numérique. Allez-y. En passant maintenant à la question suivante. En utilisant les conditions initiales, déterminer les constantes Q max et phi 0. Voilà. Maintenant, la solution d'Yenna, il y a Q de T. Il y a Q max, cosinus 2π sur T0, fois T, plus phi 0. T0, c'est bien, maintenant, je fais un mouchkil. Il y a un mouchkil, phi 0, Q max. Alors, le condensateur, il est déjà chargé. Chargé, la charge est égale à moins Q 0. Automatiquement, d'abord, Q à T est égal à 0. Est égal à moins Q 0. Ça marche, il y a Q max. QM. Il y a la charge maximale, les rives de maintenant. Moins Q 0. Ça fait? D'abord, Q max, les conditions initiales. Tchè phi 0, on va utiliser les conditions initiales. Regardez, on a phi 0. Allez-y. Q de T est égal à 0. Je vais vous dire que c'est moins Q0. D'abord, on va aller là, on va Q de T est égal à 0. On va Q max qui est moins Q0. Cosinus 2P sur T0, 0, il y a 0. Plus phi 0. Alors, c'est fort. Je vais vous dire que Q de T est égal à 0. Q à T est égal à 0. Alors, attendez, Q 0 cosinus phi 0 qui c'est où il y a moins q 0 moins c'est un cosinus de phi 0 est égal d'accord soit c'est où il y a dire c'est où il y a 1 alors ce n'est le cosinus de 0 qui c'est où 1 c'est phi 0 est égal à 0 c'est clair tu fais mine alors la solution d'aller est sous cette forme, Q de T est égal à moins Q0 cosinus 2π sur T0 T. Il a ce T0 à ou d'un ou c'est pas si la réattaque. Ça veut dire que la valeur de la réattaque est de le rapport à ça. Ça fait? Voilà. Alors on va faire l'exercice 4 de cette série. Voilà l'exercice. On dispose d'un circuit RLC série. Le condensateur d'une capacité C est égal à 0,2425 microfarad, initialement chargé par un générateur de force électromotrice E est égal à 0,66 volts, et la résistance interne négligeable. Et la bobine de la résistance petit R et d'inductance L. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise l'évolution de la tension UC au bord de du condensateur et on obtient le graphe suivant. Voilà le graphe UC en fonction du temps en millisecondes. La première question, de quel régime d'oscillation s'agit-il? C'est-à-dire ce graphe-là. Deuxième question, comment expliquer tant l'amortissement des oscillations? Troisième question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Quatrième question, mesurer la pseudo-période T des oscillations. Cinquième question, on suppose que la résistance petit r de la bobine est nulle. Écrire dans ce cas l'équation différentielle vérifiée par UC. Ils ont dit écrire, non pas établir. D'accord? Petit b, la solution de cette équation de la forme UC est égale à UM cos alpha t plus phi 0. Déterminer les expressions de alpha, phi 0 et UM. D'accord? Cinquième, petit c, pardon, on déduire les expressions de Q de T et la charge du condensateur et I de T, l'intensité de courant qui traverse le circuit. Petit d, donner l'expression de la période propre T0 de ces oscillations. Sixième question, calculer la valeur de l'inductance L
de la bobine, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre, pseudo-période. La dernière question, pour entretenir ces oscillations, on branche en série un générateur de tension tel que UG est égal à R0 fois I avec le circuit RLC série. Pour quelle valeur de R0 permet-il d'obtenir des oscillations sinusoïdales, c'est-à-dire un régime sinusoïdal, c'est un régime périodique, d'accord? Allez-y. En commençant par la première question, quel est le régime d'oscillation? Alors, on peut remarquer que l'amplitude, il diminue au cours du temps. Alors, on peut dire que c'est un régime pseudo-périodique, un régime pseudo-périodique. Pseudo-périodique. Alors, comment expliquer l'amortissement des oscillations? Qui va ce qu'on a de l'amortissement, de l'amplitude, à l'ours. Alors, on peut expliquer ça par la présence d'une résistance dans le circuit. D'une résistance dans le circuit. Dans le circuit. Plus précisément, la résistance interne de la bobine. Résistance interne de la bobine. De la bobine. Ça marche? Troisième question. Décrire l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un condensateur chargé initialement, en série avec une bobine. Alors, cette bobine-là, caractérisée par deux choses, l'inductance L et la résistance interne. Alors, on peut considérer que l'intensité de courant est là de, elle est dans ce sens-là. Alors, on a UC et on a UL. Alors, UC plus UL. UL plus UC est égal à 0. Alors LDI sur DT plus R fois I plus UC est égal à 0. Alors on a I est égal DQ sur DT est égal à CDUC sur DT. Voilà. Et la dérivée de I sur DT, on va dériver ça. C'est C dérivée seconde de UC sur DT au carré. Maintenant, on va remplacer DI sur DT par C dérivée seconde de UC sur DT. Et on remplace I par la dérivée de UC par rapport au temps fois C. Alors, on obtient LC dérivée seconde de UC sur DT carré plus petit r fois C. DUC, pardon, sur DT, plus UC, est égal à 0. On va multiplier l'équation fois 1 sur LC. On obtient dérivée seconde de UC sur DT carré, plus petit r sur L, dérivée de UC sur DT. On a simplifié par C, plus 1 sur LC. UC est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur UC. La quatrième question. Mesurer la pseudo-période T des oscillations. Voilà, on prend deux maximums successives et la durée T, c'est celle-là. C'est ça, T. Alors, on a ici deux carreaux, d'accord? Alors, et l'échelle, c'est 0,5 pour chaque carreau. Alors, 0,5 plus 0,5, c'est 1. Alors, on trouve la période T, la pseudo-période T est égale à 2 fois 0,5, c'est-à-dire T est égal à 1. L'unité, c'est millisecondes. Millisecondes. Alors, allez-y. Pour la question 5, on suppose que la résistance interne de la bobine est nulle. Écrire dans ce cas l'équation différentielle.
Alors, on a déjà l'équation trouvée précédemment, c'est dérivée seconde de UC sur DT au carré plus R sur L dérivée de UC sur DT plus 1 sur LC UC est égal à 0. Alors, on a la résistance de la bobine, mais là, elle est nulle. C'est-à-dire R est égal à 0. Et quand R est égal à 0, alors on va éliminer ce terme-là. Qu'est-ce qu'il va rester? Juste la dérivée seconde de UC sur DT au carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle dans ce cas-là. D'accord? Allez-y. Petit b. La solution de cette équation est de la forme UC est égal à U max cosinus alpha t plus phi 0. Déterminez les expressions de alpha phi 0 U max. Déterminez les expressions de alpha phi 0 U max. Alors, U max, c'est l'amplitude maximale. D'accord? Alors, l'amplitude maximale, c'est la valeur de la tension de la charge avec laquelle on a chargé le condensateur. Alors, la valeur maximale de la tension, c'est la force électromoteur du générateur. C'est-à-dire, est égal à E. UM est égal à E. Est égal. Alors, on revient à l'exercice dans l'énoncé. On a déjà E est égal à 6 volts. Voilà. E est égal à 6 volts. Voilà. Et pour alpha, on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, on a l'équation différentielle, c'est dérivée seconde de UC sur DT carré, plus 1 sur LC, d'accord? Est égal à UC, est égal à 0. Maintenant, on va calculer la dérivée de cette solution-là. Alors, DUC sur DT, rapidement, c'est quoi? C'est moins UM alpha sinus de alpha t plus phi 0. La dérivée seconde de UC sur DT est égale moins UM alpha carré cosinus alpha t plus phi 0. Maintenant, on va remplacer cette solution dans l'équation différentielle, dans celle-là. Alors, on commence par la dérivée seconde. C'est moins UM alpha au carré cosinus alpha t plus phi 0 plus 1 sur LC UM cosinus alpha t plus phi 0. Voilà, est égal à 0. On va factoriser par U max cosinus. D'accord? Alors, U max cosinus alpha t plus phi 0 est égal à quoi? Est égal à 0. Pardon, est égal facteur, pardon. Attends. Là, après, on a mis le bas de l'expression. Façon de l'obéir, moins alpha au carré plus 1 sur LC est égal à 0. Alors, ça est égal à 0. Alors, on trouve que moins alpha carré plus 1 sur LC est égal à 0. Alors, alpha est égal à 1 sur au carré est égal à 1 sur LC. Alors, alpha est égal à 1 sur racine LC. D'accord? Allez-y. Pratlia, phi 0. Alors, UC de t est égal à 0, est égal à 6 volts. Alors, UC de t est égal à 0, est égal à U max cosinus alpha 0, 0. Pratlia, phi 0. Je connais IA 6. IAUM. Alors, cosinus de phi 0 est égal à ça, est égal à ça. On va simplifier UM à UM, on obtient 1. Alors, phi 0 est égal à 0. Oh, le cosinus de la 0, il y a le cosinus de la 1, il y a 0. Cos 0 est égal à 1. Ça marche? Alors, on a les solutions comme ça marche? Très bien. Allez-y. En passant à la question suivante. C. On déduire les expressions de Q de T. Alors, on a Q, I de UC, pardon, UC qu'on a trouvé maintenant, est égal UM cosinus alpha T.
Alors, Q de T, c'est quoi? C'est C fois UC de T. Alors, UC de T, c'est celle-là. Alors, c'est C, UM, cosinus alpha T, avec Q de T, c'est égal à QM, cosinus alpha T. Alors, alpha, alpha, évidemment, on a oublié. Il y a 1 sur racine, c'est bien. D'accord? Avec QM est égal à C fois UM. Très bien. Alors, tu as d'abord l'expression de Q de T. Alors, il y a d'abord l'expression de l'intensité, I de T. Alors, on a I de T, ce que c'est, oui. Il y a DQ sur DT. On a un dérivé au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a moins QM alpha sinus de alpha T. C'est moins I0 sinus alpha T. I de T. Elle dit I de T. Avec I0 est égal à Q max fois alpha, lié C fois UM fois alpha. Il devrait y en plus en détail. Alpha, c'est 1 sur racine LC, c'est UM racine LC sur L I0. Ça marche? Alors, quelles sont les expressions? Nous avons maintenant la question. Allez-y, nous d'abord la question suivante. La question suivante, je gagne à faire. Donner, d'accord, l'expression de la période propre. Donner, mais j'ai démontré, rien donner. Alors, l'expression de la période propre T0, déjà qu'on a la fois, il y a 2π racine de LC. Ça marche? La question suivante, calculer la valeur de l'inductance, coefficient d'induction, L, de la bobine, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre. Donc, on a T est égal à T0 est égal à 1 milliseconde. D'accord? Alors, T0 est égal à 2π racine LC. Certains relief les données, je vais L. Parce que je vais L maintenant, quand je fais un relief la racine. Parce que la racine, je au carré. T0 au carré plus 4π carré LC. Je vais L maintenant l'égalité. On a 4π carré sur C, on a pas le droit de calculer T0 au carré sur 4π carré fois C. Alors L est égal à 1 au carré, 10 à la puissance moins 3 au carré. Et 1 fois 10 à la puissance, 4π carré fois 0,25 microfarad, on a 10 à la puissance moins 6. D'accord? Moins 6. Alors ça, c'est un dit. 10 moins 3, 10 moins 6, c'est un 0,1 milli Henry. Très bien. C'est de l'application numérique, s'il vous plaît. D'accord? Allez-y. La question 7 est la dernière question. Alors, pour entretenir des oscillations, on branche en série avec le circuit RLC. On a une bobine. Mais la capacité, elle la bobine caractérisée par LR, la capacité par C. En série, un générateur, les tensions au bord de ce générateur-là, est égal à R fois I, il y a UG. Ça marche? Alors, il y a le courant, j'ai alors là-ci, le sens de courant en R. IG, c'est un générateur, et on a une convention générateur, on a une convention récepteur, on a dit UL, on a dit UC. Alors, ce qu'on a dit, on dit UL plus UC est égal à UG. UL, LTI sur DT, plus RFI, plus UC est égal à R0 fois. Fois i, mais le verre, c'est LC dérivé au carré de UC sur DT carré, plus RC DUC sur DT, plus UC est égal à R0 fois C DUC sur DT. Alors, j'ai la partie, elle dit, comme là, j'ai le chrome. C'est LC dérivé seconde de UC sur DT carré, plus, on a le verre, c'est R moins R0. Facteur de C de DUC sur DT
plus 8,7 égale à 0. Quel cas de l'équation différentielle? D'accord? Parce qu'un Z a deux générateurs. Pour quelle valeur de R0 permet-il d'obtenir des oscillations sinusoïdales? Alors, parce qu'on a des oscillations sinusoïdales, on a juste le terme de dérivée seconde au UC. Mais pourquoi on dit dérivée premier? Il y a le terme suite, c'est où il y a 0. Et le canal de terme est égal à 0, on a qu'on a dit des oscillations, d'accord? Des oscillations sinusoïdales périodiques, bien sûr. Alors, le terme est égal à 0. Yani R moins R0, c'est DUC sur DT est égal à 0. Bien sûr, Hachi qui est 0. Je crois qu'il sait où il y a, Hachi qui sait où il y a 0. Et donc, R moins R0 est égal à 0. On a la valeur de R0, c'est ça où il y a la valeur de la résistance interne de la bobine d'Yali. Et donc, R0 est égal à petit r. Alors, on va faire l'exercice 5 de cette série. Voilà l'exercice. On considère le circuit LC série qui comprend les éléments suivants. Alors, un condensateur de capacité C est égal à 330 microfarads, initialement chargé à une tension E est égal à 6 volts. Une bobine de résistance négligeable R0 est égal à 0, R est égal à 0, et d'inductance L est égal à 7,2 millihenry, où l'intensité initiale est nulle. C'est-à-dire I à T est égal à 0, est égal à 0. D'accord? À l'instant T est égal à 0, le condensateur se décharge dans la bobine. D'accord? La première question, faire un schéma du montage électrique et indiquant la tension UC aux bornes du condensateur et UL aux bornes de la bobine en convention récepteur. D'accord? Deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant qui traverse le circuit. Troisième question, on propose que la solution de cette équation différentielle est de la forme suivante. I de t est égal à I max cosinus 2π sur t0 t plus φ0, avec I max est une constante positive. Petit a, que représente t0? Petit b, en considérant que I est une solution de l'équation différentielle précédente, déterminer l'expression de T0 en fonction de L et C et calculer sa valeur. D'accord? La question suivante. Petit c, exprimer UC en fonction de L et I max et T0 et T. Petit d, en tenant compte des conditions initiales, écrire les deux relations entre I max et φ0 et en déduire la valeur de φ0 et aussi l'expression latérale de IM en fonction de E et L et C. Petit e, écrire les expressions de I de T et UC de T. Petit f, calculer les valeurs maximales I max et UM, c'est la tension maximale, le courant maximal. Petit g, représenter dans le même graphe la forme des courbes I de T et UC de T sans tenir compte de l'échelle en indiquant la période T0. C'est clair? Pardon. Deuxième partie, c'est la partie énergétique. 4. Petit a, écrire l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est-à-dire l'énergie électrique, et l'énergie magnétique, c'est l'énergie emmagasinée dans la bobine, et l'énergie totale, c'est l'énergie globale du circuit en fonction de L, C, I et UC. D'accord? Petit b, on déduire les expressions latérales de l'énergie électrique, l'énergie magnétique et l'énergie totale en fonction de L et C et T0 et T, le temps. Que peut-on conclure pour E total? Calculer sa valeur en milli et millijoules, en millijoules, d'accord? C, montrer que les deux fonctions E, l'énergie électrique, et EM, l'énergie magnétique, leur période est T est égal à T0 sur 2. Et la dernière question de cet exercice, on représente ci-dessous, ou bien ci-contre, les courbes des énergies, l'énergie totale, l'énergie magnétique et l'énergie totale, l'énergie électrique, attribuer à chaque courbe la forme énergétique correspondante.
Alors on a une courbe noire, une courbe rouge et une autre, une courbe bleue, d'accord? Il faut distribuer, pardon, attribuer à chaque courbe l'énergie correspondante. Allez-y, on commence la correction. Alors, tout d'abord, il faut faire un schéma du montage. D'accord? On a un condensateur de capacité C en ciré avec une bobine idéale. D'accord? Caractérisée par L. Alors, on prend le courant dans ce sens-là. Alors, il faut schématiser les tensions en convention récepteur UL et on a ici UC. D'accord? Si on veut visualiser par exemple la tension UC dans un oscilloscope, on va mettre ici la masse de l'oscilloscope et ici l'entrée de l'oscilloscope. Ça marche? Deuxième question. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Alors, on a d'après le schéma, UL plus UC est égal à 0. Alors UL c'est L dI sur dT plus UC est égal à 0. Alors le problème, il faut faire attention. Ils ont demandé l'équation différentielle vérifiée par I de T. Alors comme astuce, on va dériver cette équation-là. On obtient L. Dérivée seconde de i sur dt carré plus duc sur dt est égal à 0. La dérivée de 0, c'est 0. Et on a i est égal dq sur dt. D'accord? Alors, eq est égal à c fois uc. On remplace q dans la dérivée. On obtient i est égal c duc sur dt. Alors, d'après cette égalité, duc sur dt est égal à i sur c. Alors, on va nous dériver de uc, elle est qui n'a dit là, bêche, i, elle est c. Ça marche? On obtient L d au carré de i sur dt carré plus i sur c est égal à 0. On drape tout chi 1 sur L. باش نخلي الديريفي سكوند مضروب فيه حتى شي حاجه دي او كاري ديريفي سكوند دو اي بلس 1 سور ال سي اي تيغالا 0 نقدر نزيدو هنا دي بحال هكا سي كيسيون نوتاسيون داكور اليزي فوالا ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفيي بار لانتونسيتي دوزيام تروزيام كيسيون اون بروبوز كو لا سوليسيون دي سيت ايكواسيون سيكري سو سيت فورم داكور avec IM est une constante positive. La question petit a. Que représente T0? Alors, T0 dans la solution, elle représente la période propre. T0, c'est la période propre. Ça marche? Pour petit b, la question petit b, on considère que i est une solution de l'équation différentielle précédente. Déterminer l'expression de T0 en fonction de L et C. Alors, on a l'équation différentielle. Dérivée seconde de i sur dérivée sur dt carré plus 1 sur LC, i est égal à 0. C'est l'équation différentielle. Et la solution d'ILH, qu'est-ce que ça va être? IM cosinus 2π sur T0, T plus Φ0. Alors, pour remplacer la solution dans l'équation différentielle, il faut dériver la solution. DI sur DT est égal à moins IM fois 2π sur T0 sinus de 2π sur T0 T plus phi 0. La dérivée, on va chercher les exercices qui sont en cours. On va chaque fois chercher les exercices qui sont en cours. Et chauffons. Dérivée seconde, c'est moins IM 4π carré
sur T0 au carré cosinus 2π sur T0 t plus phi0. Maintenant, on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. I y a dit, ou dérivée seconde de i par rapport au temps, vous voyez. Alors, on va remplacer, c'est moins i, moins 4π carré sur T0 au carré, i max cosinus 2π sur T0 t, plus phi0, plus 1 sur LC, im cosinus 2π sur T0, t plus phi0, t égale à 0. Ça veut dire i max cosinus. Alors, i max cosinus 2π sur T0, t plus phi0, facteur. De façon, on va dire, on va 4. Moins 4π carré sur T0 au carré. Façon de rouba adim, de rouba plus 1 sur LC. Tout ça est égal à 0. Alors on obtient, puisque ça c'est la solution, différent de 0. Alors ça est égal à 0. Alors on trouve moins 4π carré sur T0 au carré est égal, moins, pardon, plus 1 sur LC est égal à 0. Alors, Théo. 4π carré, je l'ai dit, 1 sur LC est égal à 4π carré sur T0 au carré. Laisse plus, match moins. Mais bête, on j'ai T0 au carré, non, on j'ai LC, laisse gérer. Je l'ai dit, T0 au carré est égal à 4π carré LC. Alors T0, on a la racine. 4π carré, je crois que je suis les 2π. On a la racine LC. Et voilà l'expression de T0, la période propre de l'oscillation. D'accord? Allez-y. Pour la question suivante, exprimer UC en fonction de L, I max, T0 et T. Alors, on a, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UC plus UL est égal à 0. Alors, UC est égal à moins UL. Je n'ai UL. Il y a L DI sur DT. Qu'est-ce que c'est? Oui. Il y a IM, I de T. Il y a IM cosinus 2π sur T0. T plus phi. Je n'ai dérivé de là. DI sur DT. Il y a l'axe. Il y a Naris. IM 2π sur T0. Regardez, allez, comme rajouter les dérivés, comme je crois que c'est mouchkil. Sur T0, T plus phi0. Maintenant, on va remplacer la dérivée par ça. Alors, UC est égal à moins L moins HI. Moins, même moins, je voulais plus. Il y a I de pi LIM sur T0 sinus DL 2π sur T0 T plus phi0. Et aucun connant qu'on l'expression DL UC. Il est bravo. Est bravo. En fonction de L, ahia. Fonction de IM, ahia. Fonction de T0, ahia. OT. 2π ou phi, ce sont des constantes. Mais d'accord, ce sont des chiffres. 2π. En fonction de π. Famine? Alors, il y a d'abord UC. Allez-y. En tenant compte des conditions initiales, écrire deux relations entre IM et phi0. Alors, on a I de T est égal à IM cosinus oméga, on fait 2π sur T0, T plus phi0, à T est égal à 0. H&D. Géroulia, le courant il est nul. Alors je vais l'énoncer au Kawa. T égale à 0. On perd. Ou il a out. T, la solution. T0, la solution. C'est un IM. Cosinus. Phi0. Ah, il y a les deux égalités. Il a dit que c'est oui. Alors,
IM cosinus fait 0, qu'est-ce 0. Maintenant, on déduit la valeur de phi 0. Alors, cosinus de phi 0 est égal à 0. I max, c'est-à-dire 0 sur I max, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire cosinus phi 0 est égal à 0. Alors, phi 0 est égal à P sur 2. C'est clair? Famine. Alors, d'abord, on a phi 0. Je vais après. Et ainsi, l'expression latérale de IM en fonction de E, L et C. Argent, je fais la solution de l'UC. Alors, elle dit quand même là, elle représente tension maximale. UM. Il y a sinus de L2π sur T0T plus phi 0. Alors, UM, je sais, oui. 2πLIM sur T0. Très bien. On a, d'après la question précédente, UM, l'IA E, est égal 2π L IM sur T0. T0, je vous donne l'expression de la question. E est égal 2π L IM de P racine LC. On va simplifier 2π avec 2π. Qu'est-ce qu'on obtient? E est égal racine de L sur C fois I, IM. Je vois IM. IM, je dois mettre l'égalité. IM est égal la racine de C sur L fois E. D'accord? Rena, l'expression de IM, latérale de IM, en fonction. Qui m'a galoulé nahoma? En fonction de E, de L, IC. Ah, hier, IM, fonction de E, IL, IC. C'est clair? En passant maintenant à écrire les expressions de I, IUC. Donc, I de T est égal à I max. I max, c'est Schneier. Il y a la racine de C sur L, E. Cosinus de pi sur T0, T plus phi 0. Phi 0, qu'on a eu pi sur phi sur 2. Alors, c'est ça, t'as et de T est égal. IM. Alors, on a eu moins cosinus. Alpha, cosinus, il y a alpha plus pi sur 2 est égal à moins sinus de alpha. Il y a un cosinus de chi plus pi sur 2, c'est-à-dire moins sinus de pi sur t0 t. Il y a l'expression de i de t. On cherche maintenant l'expression de uc. Uc est égal u max, e cosinus de pi, pardon, sinus de 2 pi. Je vais dire sinus même si. Alors, je. Voilà, un effet sinus. Elle dit c'est U, C de T. Il y a I max sinus 2π sur T0 T plus π sur 2. Puis 0, il y a π sur 2. Il y a, quand on a fait ce noir, cosinus de alpha plus π sur 2, pardon, sinus. Qui voit le cosinus de pi de alpha. Sinus de alpha plus pi sur 2 au cosinus de alpha. Famine. Et on a oudo had chi kamel. Hadi kamel, il y a alpha, il s'est mis à un alpha dans la relation. Et on a certainement, il y a E cosinus de pi sur T0 T. On a pris les expressions latérales. Voilà. Famine. La question suivante. Calculer les valeurs numériques. Alors, on a UM est égal à tension, la force électromotrice. E, on a 6 volts. On a UM. Et IM. IM, on a la racine de C sur L fois E. On vérifie. On chauffe. Ah, hier. La racine de C sur L fois E. Dire l'application numérique, la racine. Attends, on a
C'est 330 microfarad. Ça, on va multiplier fois 10 à la puissance moins 6. Et L, c'est 7,2 millihenry. D'abord, 10 à la puissance moins 3 fois 6. Ça fait un IM est égal à 1, à peu près 1,3 ampères. Alors, rien la valeur de l'intensité maximale, IM. Fermine. La question suivante. Représentez dans le même graphe la forme de la courbe I de T. Alors, I de T, c'est le qu'il j'ai un chauffe-eau. Il y a moins 2, moins 1,3 sinus d'L2 pi sur T0 T. Ou UC de T, il y a 6 cosinus 2 pi sur T0 T. Qui m'a dit que je vais dire UC, on va dire I. Alors, la valeur maximale de UC. Alors, à T est égal à 0. À T est égal à 0. UC, qu'est-ce que ça? Il est de la 22, il y a 4, il y a 6. Il y a 6, il y a un abdob halaka. Min 6, on va me faire moins 6. Il y a un halaka. Voilà. Il y a un chip périodique, sinusoïdal. Fermé? Voilà, il y a un halaka. J'ai une tablette, je vais y aller, je vais me dire, parfait. Quand le ورقة غرسم حسن صافي هذه c'est UC. D'abord je vais changer la couleur en vert pour I. C'est une fonction sinusoïdale 1,3 à peu près des 1,5 à des 1 1,5 et 1,3 je connais non et après varier. Voilà, pour t est égal à 0, à t est égal à 0, quand la tension est égale à, et le courant est égal à 0, quand je vois le signe moins, je vois le signe moins à bas de alors, voilà. La courbe en vert, c'est I de T. Ça marche. Après, je galia. Galia, bilina, la période T. La période. Alors, la période, le maximum, maximum. Aïe. Elle dit T0. Ou, le maximum, maximum, dit I. Elle dit sinus. Elle dit T0. La période T0 T0. Fahmin? Alors T0 تقريبا جات فيه التدريجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أربعة تدريجات. إلا شفنا الدوزيام بيريود فيه واحد جوج ثلاثة أربعة جوجهم نفس البيريود مساويين عندهم حيت عندهم ديجا نفس T0 شتو هادي هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك داكوغ هاي كنشوفوها شوفوها قدامكم فوالا نمسحو حنا هادوك لي كورب لي درت هنايا بالاحمر راه يو سي وبالاخضر راه اي دو تي فاهمين اليزي دوزو دابا ليتود انرجيتيك داكور سي قالو في ليتود انرجيتيك اكريغ لي اكسبرسيون دو او او اي او ام اي او تي الوغ او او لينيرجي الكتريك شنا هي دو طون واحد على جوج داكور سي يو سي دو تي او كاري او ام لينيرجي مانيتيك par définition, c'est 1 demi L et de T au carré. L'énergie totale est égale à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique de T. Il y a 1 de la jauge, c'est UC au carré plus 1 demi LI au carré. Maintenant, je vais venir à la question d'Yana. Le total magnétique, énergie électrique. Ça fait? Deuxième question, petit b. On déduit l'expression latérale de EE, EM, E total en fonction de L, C, T0 et T. Alors, l'énergie électrique, c'est 1 demi
سي يسي شحال يسي دو تي شحال لقيناها قبيله هي او كوسينيس دو بي سور تي زيرو فوا تي نعوضوها هنا يسي او كاري قلنا هي يسي دو تي او كاري تري بيان تبع معايا ابو راس ان دومي فوا سي هذه غندير لها او كاري الا درت الاو كاري هنا غندير الاو كاري هنا وغندير الاو كاري هنا اذا نحيد هذا يو سي او كاري من هنا ونكتب بلاصتها هذا الشيء تعطينا او او كاري كوسينيس او كاري ديال 2 بي سور تي 0 تي هذه هي الانرجي الكتريك اون فونكسيون دو سي او 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 تي 0 بغاو الانرجي مانيتيك الانرجي مانيتيك شنو هي هي ان دومي ال اي او كاري دو تي افيك اي دو تي كتساوي ليا كتساوي ليا 1 demi باردون ماشي 1 demi لا راسين دو سي سور ال داكور او داكور سينيس واحد لو موا ما نسواش سينيس دو بي سور تي زيرو تي هنا نديرو او كاري غنديرو هنا او كاري او كاري او كاري ونحيدو الناقص حيت الناقص كتحيد الاو كاري نعوضو دابا هادشي هنا تعطينا 1 demi ال فوا La racine au carré d'LHC, c'est C sur L, fois E au carré, sinus au carré d'L2pi sur T0t. E magnétique, c'est ce qu'on a dans le cas de L ma L. D'accord? Nous pouvons faire le volume, il est bravo. Chauf, il y a 1 demi, CE au carré, sinus au carré. De pi sur T0T. Hadi EM. Voilà. Redmaye le bel. Iqdar hnaya, il est vrai en fonction de N. Khli wali. Ndiru li EM. Ngulu li anna I de T. Shkat sawi. Ou li ben ktibu hadi kamla. Shkat ndiru li vlas. Ktibu li moins I. IM au carré. Ou li plus. Ou li hiya 1 demi. L I M au carré sinus au carré d'IL 2 pi sur T0 T. Soit ce que je veux dire, ou le hadi. Fahmin? Ou est-ce que je fahm? D'abord, nous avons fait un lien. Bravo, peut-on conclure? Bravo, au total. Je veux dire au total. Alors, au total, je n'ai rien. Il y a EE plus EM. Ah, il y a EE, il y a Wahd el Ajouj. C, E au carré. Cosinus au carré d'IL 2 pi sur T0 T plus 1 demi ahia, C E au carré sinus au carré d'IL 2 pi sur T0 T. Est-ce que tu vois on a deux belles 1 demi C E au carré que tu as out. Je te vois rien dire un air. Yehadi ou Yehadi. نعمل بها تعطيني او توتال كاش كتساوي هي ان دومي سي او او كاري عامل ديال كوسينيس كاري ديال 2 بي على تي 0 تي بلس سينيس او كاري ديال 2 بي على تي 0 تي وهذه اللي قريتوها في الرياضيات صافي شنو قرينا في الرياضيات مسح لي هاد البارتي الفوق ونكتبو هنايا اش قريت يا سيدي في الرياضيات قال لك سيدي كوسينيس كاري زائد سينيس او كاري اش كتساوي كتساوي واحد اللعيبه حنا نكتبوها كوسينيس الفا او كاري بلس سينيس او كاري ديال الفا كتساوي ليا واحد يعني هادشي كامل كيساوي واحد اذا اش غتولي هي واحد في هادشي في ان دومي سي او او كاري يعني او توتال كتساوي ليا واحد على جوج سي او او كاري رد البال معايا مزيان او شحال كتساوي او كتساوي 6 فولت مزيان سي شحال كتساوي 330 ميكرو فاراد الا ضربنا 6 في 330 وقسمنا على جوج غيعطينا واحد العدد يعني هادشي كيساوي ليا ثابته اون كونستانت فاهمين كيساوي ليا اون كونستانت داكور اليزي شنو كو بوتون دير كو لينيرجي اي كونسيرفاتيف لينيرجي توتال et conservative.
une énergie elle est conservative. Ça marche. Gallek nhasbou la valeur diala. Alors, nhasbou la valeur diala. Msah hadch chi hna on ktb. Maniche plus d'espace, msah hadch chi on ktb. Nhasbou la valeur diala. Hna lqina عندنا E, عندنا C, عندنا نقسمو على جوج يلا. On va utiliser جبد الكالكول ديالك وحاول تريني على الكالكولاتريس قبل الوطني. جبد الكالكول ديالك وحسب. يلا بما انك مسح الطابلو انت حسب لي شحال عندي في انرجي توتال. Alors application numérique 2.1/2 fois 330 fois 10 à la puissance moins 6 fois 6 au carré. Yalla, calculatrice. Un âge de calcul d'y 1/2 fois quoi? Fois 330 fois 10 à la puissance moins 6. Voilà, fois 6 au carré. Eh bien, 6, 6, on a trouvé E total. C'est égal à peu près 6 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Bravo, on a vu le millijoule. 10 à la puissance 3 joules, il y a le millijoule. Et donc, E total, c'est à peu près, est égal à 6, 6 millijoules. Donc, on a l'énergie totale, et on a fait la question. Fahmin al-shabab. Tamrin mouhim au zouéoun. Yallah. La question suivante. Montrer que les deux fonctions, l'énergie électrique et l'énergie magnétique, leur période T est égale à T, leur période énergétique est égale à T0 sur 2. Allez-y. L'énergie électrique. L'énergie électrique, il y a 1/2 C U C au carré. Est-ce que ça oui, Hadi? 1/2 C E au carré. Là, c'est bien la question de l'équipe. Cosinus au carré, il 2 pi à la T0 T. Qu'en arrive-t-on? On a. Réadiagé, on a cosinus au carré de alpha, ou 1 plus cos 2 alpha sur 2. Ça fait, nous avons un a. Il y a 1 sur 2 C E au carré, 1 mille de l'ouest de la juge, zéid cosinus de 2 alpha. 2 alpha, donc alpha, il y a 2 pi racine, il y a 4 pi sur T0 T sur 2. En charlie, il y a 1 sur 4 CE au carré, Z 1 sur 4 CE au carré, cosinus, mais de tchahaj, en charge, 4 pi sur T0 T. Comme on a dit l'énergie électrique, l'énergie électrique est mise à la période. Il y a 1 sur 4 CE au carré plus 1 sur 4 CE au carré cosinus 2π sur T. Alors, T0, c'est la période propre. Période propre. Et T, attends, il y a fait l'exercice, c'est la période énergétique. Période de l'énergie. Voilà, on dit d'abord l'identification. On a dit que c'est un cos, cos. Est-ce qu'il y a un cos? On a dit que c'est un cos. Et dans 4π sur T0, c'est 2π sur T. On simplifie هادي مع هادي غتعطينا T غتجي هنا و T0 غتمشي لهاد الجهة. الوغ سينو غنقلب تعطينا هي T0 هنا سيغ 2 هنا سيغ 4. و شناهي 4؟ هي 2 فوا 2 2 فوا 2 غنسمبليفي 2 مع 2 غتعطيني أن T إيكالا T0 سيغ 2. حنا بينا ليهم أن لا بيريود ديالهم On a montré que la période T est égale à T0 sur 2. Maintenant, l'énergie magnétique, la même chose, de même manière. De même manière. De même manière, l'énergie magnétique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1/2 Li au carré. Il y a 1/2 Li, il y a Im au carré, la quinte sinus au carré, il y a 2π sur T0T. Alors, ce qu'on dit, on a, quand on a fait aussi des frayadillettes,
ان السينيس او كاري ديال واحد الفا هو 1 موان كوسينيس دو الفا سور دو. غنديروا لا ميم شوز اللي درنا هنايا، غنلقاو ان تي عاوتاني كتساوي لنا تي زيرو على دو. مكاينلاش نبقى نعاود نفس الحساب، نفس داكشي اللي درت هنا غتلقاو عاوتاني غير غديفلوبيو هاد السينيس او كاري، غتعوضوها ب 1 موان كوسينيس ديال 2 سور 2 وتنشرو، وغديروا نفس المساله وغتلقاو تي تي على تي 0 سور 2. حنا مونطرينا على هاد القضيه ديال لا بيريود. راه ليا لا كيسيون، جو بونس كي سي لا ديرنيير كيسيون. اون ريبريزونت سي دوس او بي سي كونتر، ماشي سي دوس سي كونتر، لي كورب دي زينيرجي، لينيرجي الكتريك، لينيرجي مانيتيك اي لينيرجي توتال، داكور، attribué à chaque courbe la forme de l'énergie correspondante. Très bien, on a dit trois courbes. La courbe en noir, en rouge et en bleu. Alors, il y a chez d'abord. On a l'énergie totale conservative est égale à une constante. Yani, il est constant dans le temps, quel que soit T. Il y a la même valeur. Ce qu'on a, il y a la courbe, il y a la même valeur dans le temps. Il y a la couleur bleue. D'accord. Alors, la courbe Hadi, c'est l'énergie totale. Voilà. A t est égal à 0. A t est égal à 0. A t est égal à 0. Edna u c que c'est oui e. Edna i que c'est oui 0. Idem l'énergie électrique, c'est qu'on différente 0. Ou la qui l'énergie magnétique, c'est qu'on c'est oui il y a 0. Imta a t est égal à a t égal à 0. Yani, initialement, le condensateur il est chargé. C'est-à-dire celui qui magasine l'énergie, l'énergie électrique au premier. Alors, où est-ce qu'on a de l'énergie? Par contre, la bobine, je qu'on fait l'énergie. L'intensité dans le circuit initialement, elle est nulle. Alors, je vais faire deux courbes. Le noir, elle commence à t égal à 0 par 6. Le rouge, elle commence par 0. شكون كيساوي ليا زيرو في تي كتساوي صفر هي الانرجي مانيتيك. اذا الاحمر هو الانرجي مانيتيك و لو نوار يل ريبريزونت الانرجي الكتريك. فاهمين؟ الوغ نورمالمون كان عليك تكتب ليا لا كورب 1 لا كورب 2 لا كورب 3 و نقول لي لا كورب 1 يل كوريسبون على الانرجي الكتريك، لا كورب 2 بيان سور تي، لا كورب 2 يل كوريسبون على الانرجي مانيتيك، اي لو 3 لا تروازيام كورب il correspond à l'énergie totale. Voilà. Fahmin? Bon, on va faire l'exercice 6. Un condensateur de capacité C initialement chargé, d'accord, est branché avec une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, c'est-à-dire R petit r est égal à 0, c'est-à-dire on travaille dans les oscillations périodiques, et une ampèremètre. Voilà l'ampèremètre. À l'aide d'un oscilloscope, visualise la tension en bord de la capacité ou bien du condensateur, et l'ampèremètre indique l'intensité I grand I. D'accord? Alors, la première question, établir l'équation différentielle vérifiée par UC, c'est-à-dire par la tension en bord de la capacité. Deuxième question, en déduire l'expression de la tension UC en fonction des paramètres du circuit. Alors, les paramètres du circuit, c'est L, c'est C. Ainsi de suite, on va voir quels sont les autres paramètres. Troisième question, quelle est la grandeur qui est indiquée par l'ampèremètre? Donner son expression en fonction de QM et oméga 0, avec oméga 0 est égal à 2π sur T0. La question suivante, 4. Une étude expérimentale ne permet de tracer la courbe qui représente la variation de l'énergie, l'énergie électrique en fonction de I au carré. D'accord? C'est ça la représentation, c'est de la courbe qui représente l'énergie électrique en fonction de l'intensité de courant en carré. Petit a, montrer que l'énergie globale se conserve au cours du temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'énergie est égale à une constante, d'accord? Petit b, déterminer l'expression de l'énergie globale en fonction de C et Q max. Petit c, donner une explication théorique de la forme de la courbe de la figure 3. Et déterminer les valeurs, l'inductance L, la capacité C et la charge Q max. Et petit d, exprimer l'énergie électrique en fonction de UC,
et sa valeur, et calculer sa valeur à l'instant t égale à t0 sur 2. D'accord? Petit e, représenter l'allure de la courbe qui représente la variation de l'énergie mécanique magnétique pardon, en fonction de i carré sur le même graphe. C'est-à-dire, on va représenter l'énergie magnétique en fonction de i carré, d'accord? Et en déduire les valeurs de I0 de I lorsque EM est égal à EE. Allez-y, on va maintenant établir l'équation différentielle. Alors, on a l'intensité de courant de droite vers la gauche. Alors, UC, UL. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UC plus UL est égal à 0. Alors, UC plus que. Puisque la résistance interne de la bobine est négligeable, alors la tension UL, c'est LTI sur DT, d'accord? C'est égal à 0. Maintenant, on va chercher la relation entre I et UC. Alors, I est égal à DQ sur DT. Et Q est égal à C fois UC. Alors, si on remplace Q dans la dérivée, on obtient I est égal C DUC sur DT. Et la dérivée de I sur DT, c'est-à-dire la dérivée de ça, c'est une constante, c'est la dérivée seconde de UC. Voilà. Maintenant, on revient, on va remplacer DI sur DT par C dérivée seconde de UC. Alors, on obtient UC plus LC dérivée seconde de UC sur dt carré est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle. On va réécrire d'une autre manière. C'est duc sur dt carré plus 1 sur lc uc est égal à 0. Voilà notre équation différentielle vérifiée par uc. Après, on déduit l'expression de la tension uc en fonction des paramètres du circuit. Alors, d'après l'équation différentielle, c'est une équation différentielle d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire la solution ici s'écrit sous cette forme. U max cosinus 2p sur t0, d'accord, t, plus φ0. D'accord, la phase à l'origine, la période propre et l'amplitude maximale, d'accord? UC de t, bien sûr. D'accord. Maintenant, d'après les paramètres du circuit, alors on a T0, puisqu'on a des oscillations périodiques, est égal à 2π racine LC, c'est-à-dire 2π sur T0, c'est tout simplement, c'est 1 sur LC, racine LC. D'accord? Alors, UC de T devient U max cosinus 1 sur racine LC de T plus φ0. Alors, phi 0, c'est la phase à l'origine. Alors, à t est égal à 0, on va déterminer à partir des conditions initiales. Alors, on a UC initialement chargé, c'est-à-dire la tension au bord de la capacité est égale à U max. D'accord? Et UC à t est égal à 0, on va remplacer dans la solution, c'est UM, U max, cosinus phi 0. Alors, ça est égal à UM, ce qui va donner Q, cosinus phi 0. Égal à 1, alors phi 0 est égal à 0. Finalement, on trouve la solution UC de T est égal à U max cosinus 1 sur la racine de LC fois T. Et voilà l'expression de la tension UC en fonction des paramètres du circuit. En passant maintenant à la question suivante. Quelle est la grandeur qui est indiquée par l'ampèremètre? Alors, bien sûr, quand alpha un ampèremètre, il mesure une intensité de courant. Alors, la grandeur, c'est la grandeur indiquée par l'ampèremètre, c'est l'intensité de courant. L'intensité de courant. Ça marche? I de t. Alors, dans l'expression de cette grandeur-là, c'est I de t est égal. Alors, on a déjà la relation suivante, duc de t sur dt. Et uc, on a déjà trouvé uc de t, c'est u max fois cosinus de 1 sur racine lc de t.
Alors, on a, d'après l'équation différentielle, alors 1 sur racine LC est égal à oméga 0. C'est-à-dire, UC de T devient U max cosinus oméga 0 de T. Allez-y, maintenant on va faire la dérivée de ça. TUC sur DT, c'est moins UM oméga 0 sinus oméga 0 de T. Voilà, on va remplacer la dérivée de UC dans l'expression précédente. On trouve I de T est égal à moins UM, d'accord, fois C, oméga 0, sinus, oméga 0 T. Alors, on pose, C fois UM est égal à la charge maximale. Alors, on obtient moins QM, oméga 0, sinus, oméga 0 T. Voilà l'expression de I en fonction de Q max et oméga 0. Qui a Q max ou qui a oméga 0? Bien sûr, le temps. C'est clair. Allez-y, en passant à la question suivante. Une étude expérimentale nous permet de tracer la courbe que représente l'intensité E, c'est la figure qui est dans l'énoncé. Alors, petit a montrait que l'énergie globale est conservative. Alors, c'est quoi cette énergie globale? C'est tout simplement l'énergie électrique plus l'énergie magnétique, d'accord? Alors, c'est quoi l'énergie électrique? L'expression dit là, c'est 1 demi C UC de T au carré, d'accord? Et c'est quoi l'expression de l'énergie magnétique? Tout simplement, c'est 1 demi L I de T au carré. On a trouvé l'expression de UC dans la deuxième question. Et l'expression de I de T dans la troisième question. On va remplacer juste les expressions. Alors E est égal à 1 demi C fois U max au carré cos oméga 0 T, d'accord? Plus 1 demi L, puisque I est égal à moins, alors I de T, c'est moins Q max oméga 0 sinus oméga 0 de T, d'accord? Au carré, tu le signes moi, je prends la Q max au carré, oméga 0 au carré, sinus au carré de l'oméga 0 de T. C'est clair? Allez-y. On va remplacer maintenant oméga 0. On a dit que oméga 0 au carré, c'est 1 sur LC. D'accord? 1 sur LC. Très bien. Allez-y. 1 demi CUM au carré cosinus, j'ai oublié ici, hein, au carré cosinus au carré de oméga 0 t plus 1 demi L fois Q max au carré fois 1 sur LC sinus au carré de oméga 0 t. Très bien, jusqu'à maintenant tout est clair. Alors on sait que Q max, je pose une Q max est égal à C fois U max, d'accord? C'est-à-dire, on remplace Q max, c'est U max, et non. D'accord? Alors, c'est 1 demi. On va simplifier tout d'abord L avec L. C U max au carré, cosinus au carré de oméga 0 T. Plus 1 demi. Q max, c'est C carré fois U max au carré sur C, sinus au carré de oméga 0 T. On va simplifier C avec C. D'accord? C'est-à-dire, on obtient tout simplement ça. Alors on peut remarquer qu'on a 1 demi C U max au carré, 1 demi C U max au carré. On va factoriser par ça. On trouve 1 demi C U M au carré, facteur de cosinus au carré de oméga 0 T, plus sinus au carré de oméga 0 T. Alors, cette relation trigonométrique alors est égale à déjà 1, car un cos carré plus sin carré est égal à 1. Qu'est-ce qu'il va rester? Alors, on a l'énergie globale est égale à 1 demi C U max au carré. C'est voilà. Puisque U max est égal à une constante et la capacité d'un condensateur est égale à une constante, alors tout ça, on trouve que tout ça est égal à une constante. Et on a montré que maintenant, pour montrer ça, c'est juste, on peut faire dE sur dt. On trouve la dérivée d'une constante par rapport à t est égal à 0. On peut dire que l'énergie globale,
se conserve. C'est clair? Au cours du temps, bien sûr. C'est pour ça qu'on dérive par rapport au temps. Très bien. On passe maintenant à la question petit v. Déterminer l'expression de l'énergie globale en fonction de C et Q max. D'accord? Alors, l'énergie globale, on a déjà l'énergie globale, on a trouvé que c'est un demi CU max au carré. C'est celle-là qu'on a trouvée précédemment, ce que j'ai encadré ici. Alors, et on a Q max est égal à C fois U max, ce qui va donner UM est égal à Q max sur C. Alors, l'énergie globale est égale à 1 demi fois C fois Q max au carré sur C carré. On va simplifier par C. Alors, on trouve que l'énergie globale, c'est 1 demi Q max au carré sur C. Et voilà l'expression de l'énergie globale en fonction de C et Q max. C'est clair? Allez-y. Pour la question C, donner une explication théorique de la forme de la courbe. Pourquoi on a ici une fonction affine? Alors, on sait que l'énergie globale est égale à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Alors, l'énergie électrique, d'après cette égalité, est égale à l'énergie globale moins l'énergie magnétique. D'accord? C'est simple. D'accord? UM. U max, pardon, U magnétique, l'énergie magnétique, pardon, déjà l'autre côté. Où est-ce qu'on a à faire l'énergie magnétique? Alors, E est égal à E, l'énergie globale, moins 1 demi, L, I au carré. I de T, bien sûr. I au carré. C'est-à-dire, il existe une fonction F de T, F de X, par exemple, est égal à B plus A, X. Alors, qu'est-ce qu'on chauffe? بحال عندنا دابا اللي جديت هذه درت الانالوجي ديالها تكون هي انرجي الكتريك اون فونكسيون دو اي كاري تيغال واحد لا كونستانت اللي هي انرجي جلوبال موان ان دومي ال اي او كاري الو هاد ان دومي ال هي اللي مضروبه في اكس هنا هي لا بونت كما كنشوفوا عندنا لا بونت كي دايره نيجاتيف داكشي علاش عندنا لا كورب سي اون فونكسيون افين دي كروا décroissante. Ça marche? On a bien dit que c'est théoriquement. On a l'énergie électrique en fonction de I2, c'est une fonction affine. Alors IE en fonction de I carré, c'est une fonction affine. C'est une fonction, d'accord, affine. Alors, la suite de la question, c'est déterminer les valeurs L, C, Q max. C'est-à-dire, on va calculer L. Alors, fin qui est L, qui est la pente, d'accord? Aïe, qui est moins 1 demi L, qui indique la pente. Alors, on va déterminer tout d'abord la pente de cette fonction, bien cette droite-là. Alors, la pente A est égale à E final moins E initial. E initial, E final, c'est 0. C'est 0. On prend deux points, on prend ce point-là comme point initial, et on prend celle-là comme point final, d'accord? Alors, c'est tout simplement la pente, c'est delta EE sur delta I carré, d'accord? Alors, l'énergie électrique initiale, finale, pardon, moins l'énergie électrique initiale. Sur I final au carré moins I initial au carré. On va faire juste l'application numérique. Alors, l'énergie électrique finale. Ah, finalement, on trouve que l'énergie électrique est égale à 0 moins 4,5 fois 10 à la puissance moins 6. Il faut convertir microjoule, laisse le joule. On va multiplier fois 10 à la puissance moins 6. D'accord? De même, pour l'intensité finale est égale à 88,7. Fois 10 à la puissance moins 12. Pourquoi moins 12? On dit au carré choix. Mais le microampère, l'ampère, c'est 10 à la puissance moins 6. Mais au carré d'ailleurs, on 10 à la puissance moins 12. Alors, les unités à vacuum. Alors, on trouve, d'après le calcul, c'est moins 50,7. D'accord? 10 à la puissance 3. Alors, A, je sais où il y a. Moins 1 demi L. D'accord? Le nombre est égal à moins L sur 2. Alors, L, je sais où maintenant. Moins moins il y a deux fois ça, c'est 101,7.
0,4 10 à la puissance 3 Henry. Tu vois, rajoutons la valeur كبيرة بزاف. On se voit, أتخرجنا في حاجة من بعد. D'accord? فاهمين؟ Alors, pour passer, pour trouver L, d'accord? En passant à déterminer C. Alors, pour déterminer C, c'est simple. Alors, on va utiliser l'expression précédente qu'on a trouvée précédemment. Alors, I est égal à 0. Parce que l'intensité de courant est égale à 0. Alors, l'énergie électrique, chaque que ça oui. Regarde la courbe. Parce que quand I est égal à 0, il y a un coût énorme. Chaque que ça oui, l'énergie électrique, c'est 4,5 microjoules. D'accord? C'est égal à 4,5 microjoules. On a qu'à voir le cours. L'énergie électrique, c'est 1 demi CUM au carré. Alors, c'est maintenant de la relation AD. Alors, un D de fort, on se met la UM au carré. D'accord? C est égal de l'énergie électrique. A T égale à I est égal à 0 fois sur, pardon, U max au carré. U max mira jiba, jiba m'a la courbe d'Yeli. Li a taouni fil l'aoul. Hadi. AUC, U max, c'est l'aqsaqima qui est la tension d'Yeli, il y a 3 volts. Ça marche? Allez-y, on va remplacer maintenant juste UM par 3 volts. Alors, c'est 2 fois 4,5 fois 10 à la puissance moins 6 sur 3 au carré. On trouve la capacité C. C'est 1 fois 10 à la puissance moins 6 farad est égal à 1 microfarad. Voilà la capacité C. Alors, je vais avoir la charge maximale, Q max, d'accord? Alors, Q max, déjà, Q max est égal à C fois U max. On a cerqué d'abord, il y a 1 microfarad, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 6. U max, il y a 3. Alors, on trouve Q max est égal à 3, 10 à la puissance moins 6. Coulomb, on peut exprimer aussi 3 microcoulombs. Voilà, on a cerqué L, les bras, on a cerqué C, on a cerqué Q max. D'abord, la question suivante. Exprimer l'énergie électrique en fonction de UC et calculer sa valeur à l'instant t est égal à t0 sur 2. D'accord. Alors l'énergie électrique est égale à 1 demi pendant instantané, pardon. L'énergie électrique instantanée est égale à 1 demi CUC de t au carré. Alors on a déjà trouvé ça, c'est l'expression de UC, c'est UM au carré, cosinus. 2π sur T0 fois T. Ça, c'est l'énergie électrique à l'instant T. Et pour trouver l'énergie électrique à l'instant T est égal T0 sur 2, qu'est-ce qu'on a? C'est 1 demi C U max au carré cosinus 2π sur T0. On va dire T0 sur 2. Il y a T0 sur 2. Alors, on simplifie T0 avec T0 et 2 avec 2. On trouve c'est 1 demi CU max au carré cosinus de pi. Pardon. Alors, j'ai oublié C au carré. Alors, cosinus de pi est égal à moins 1. Alors, on va remplacer ici moins 1 au carré est égal à 1. Alors, on obtient 1 demi C U max au carré, c'est l'énergie électrique à T0 sur 2. On a trouvé que T égale à l'énergie électrique maximale. Alors l'énergie par application numérique, d'accord, on va faire l'application numérique. Alors, pour l'application numérique, on a C, trouvé C, on a déjà déterminé U max à partir de la courbe. Alors l'énergie électrique c'est 1 demi fois 10 à la puissance moins 6 farad fois 3 au carré. Alors on trouve que l'énergie électrique est égale 4,5 10 à la puissance moins 6 joules. Ce qui va donner aussi que l'énergie électrique est égale à 4,5 millijoules. D'accord? Très bien. Allez-y, en passant maintenant à la question suivante. Petit e, alors représenter l'allure de la courbe que représente la variation de EM, l'énergie magnétique. Alors l'énergie magnétique est égale à quoi? Est égale à 1 demi LI
au carré. Alors, on peut dire que c'est fx est égal à ax. C'est une fonction linéaire. D'accord? C'est une fonction linéaire. Linéaire. D'accord? Alors, on va chercher le point d'intersection. D'accord? Après, on va déterminer l'énergie magnétique. Et voilà l'expression, bien, l'allure, pardon, de l'énergie magnétique. Lorsque l'énergie électrique est nulle, on trouve que l'énergie magnétique est maximale. C'est clair? C'est ça l'allure de la courbe qui représente la variation de l'énergie magnétique en fonction des ions. Voilà, on va ajouter ici l'énergie magnétique en microjoules, bien sûr. Allez, ici. On déduit les valeurs, la valeur de I lorsque EM est égal à EE. Valeur de I lorsque EM est égal à EE. Voilà. Pour faire ça, on va commencer par l'équation. EM est égal à EE. Alors, c'est 1 demi LI au carré est égal à 1 demi UC U au carré. Alors, pour trouver I, alors d'après ça, on va simplifier 1 demi avec 1 demi. Alors, I est égal à C U, C sur L, U au carré. Alors, I est égal à la racine de C sur L fois U. Bien sûr, ça, UC, UC, UC. D'accord? Alors, pour quel instant on a UM est égal à UE? Alors, on revient à la courbe. D'accord? Je vais déjà déterminer l'intensité. Cette question, on dérive deux méthodes, deux méthodes Laoula. Alors, on a l'énergie électrique varie comme ça et l'énergie magnétique varie comme ça. Alors, la période de l'énergie, c'est celui-là. On a montré que à t est égal à t0 sur 2, d'accord? Et la période, non, non, c'est la période. Il me dit que c'est l'énergie magnétique, que c'est l'énergie électrique. Faites le point. Faites le point. Il est là, je vais te lier mon T, il y a les ou T. Alors, à l'instant T, il y a T sur 4. Il est ici à T qui vira, je vais te dire à l'oulet, tu sais, tu sais. Alors, T sur 4, qu'est-ce qu'on l'énergie électrique est égale à l'énergie magnétique. Tu vérifies lié à l'équation, faites le point. Alors, où est T? Il est T0 sur 2. Il est T0 sur 2 fois 4. Alors, l'instant est égal à T0 sur 4. Qu'est-ce qu'on a dit? L'énergie magnétique, c'est l'énergie électrique. Alors, voici une fin de l'instant T. Quand on a UC de T est égal à, en général, c'est UM cosinus de P sur T0 fois T. D'accord? Alors, c'est un de T fait de l'instant. Parce qu'on a tension, chaque qui connaissait, oui, parce que je compte T, c'est T0 sur 4. Alors, UC de T0 sur 4 est égal à U max cosinus de pi sur T0, qui me clade. L'instant T, on a de T0 sur 4. Pardon, sur 8. On a 4 fois 2, c'est 8. Pardon, pardon, pardon. Voilà, sur 8. Sur 8, d'accord? On simplifie T0 ma T0, on simplifie 2 ma 8. J'atteins une place 2, je voulais en dire 4. Et on atteint une pi sur 4. Quand à la fois on a cosinus pi sur 4, chaque ici, oui. Allez-y. Cosinus pi sur 4, ou racine de 2 sur 2. Il y a. Alors, donc, UC, l'instant T est égal à T0 sur 8. Pardon, on a 8. T0 sur 8 est égal à racine de 2 sur 2 fois U max. Ça marche? Allez-y. On va remplacer maintenant UC, racine de 2 sur 2, U max. Alors, I est égal à racine de C sur L fois racine de 2 sur 2 fois U max. On dit l'application numérique, non? Alors, I est égal racine de C, il y a 10 à la puissance moins 6 farad. L, on a déjà la valeur d'LH, c'est 101,4 10 à la puissance 3 fois
racine de 2 sur 2 fois U max, Léa, 3. Alors on va faire l'application numérique de ça. On trouve à peu près 6,6, 10 à la puissance, moins 6, c'est ampères. L'encadrement que tu vois sous cette forme, I est égal 6,6 microampères. فاهمين؟ هذه بالنسبة للطريقة لا بروميير ميثود. إلا بغينا نبداو من ليكواسيون اللي عطاونا هما ونجبدو اي. كاينة اون دوزيام ميثود غنستعملو فيها لا كورب. دوزيام ميثود غنشوفو، قلنا أن هذه اللي ببلو هي لينيرجي إلكتريك، وهادشي بالأحمر هو لينيرجي مانيتيك. إمتى كيكونو متساويين في هاد البوان هادي كيكون عندنا ليغاليتي. لا باش كيكونو متساويين كتكون لانتونسيتي اي كاري كتساوي هاد لا فالور، كتبان لي انها جات في النص. اذا اي كاري ايتيغال 88.7 ميكرو دو البر ميكرو امبير هادشي سور 2 اللي هي ان بو بري. جاتنا درنا الكالكول ديالنا عطينا اليزي لي زوتر 44 كيلكو شوز نيس با. الوغ 8.87.7 ديفيزي بار 2 فوالا سي 44.35. داكور هذه اي او كاري باش كتكون عندي لينيرجي مانيتيك كتساوي لينيرجي الكتريك صافي. الوغ اي اش كتساوي ليا هي لا راسين ديال 44.35 كنلقاها هي اي تيغال لا راسين دو سا اي تيغال سي 6.6 ميكرو امبير. راه هادشي كان بالميكرو امبير او كاري مع لا راسين غتبقى لنا الميكرو امبير. حنا لقينا تقريبا لا ميم فالور، on a 6,6 microampères ou 6,6 microampères. La deuxième méthode, méthode 2. Donc c'est la deuxième méthode plus facile, plus ou moins par rapport à la première méthode, mais c'est préférable de savoir en deux. Savoir la méthode l'une ou la méthode l'autre. Savoir déjà et maintenant que l'énergie électrique est égale à l'énergie magnétique, à l'instant t, elle est égale à T0 sur 8. Savoir la hadith, c'est de faire comme si exercice hors ou le problème. D'accord. Bon, on va faire l'exercice 3 de cette série. Un condensateur de capacité C initialement chargé sous une tension continue U0 est égal à 12 volts. On le branche à l'instant T est égal à 0, considéré comme l'origine du temps, aux bornes d'un dipôle comportant une bobine d'inductance L et de résistance R' est égal à 90 ohms et un conducteur ohmique de résistance petit r est égal à 30 ohms. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise la tension UR, d'accord, aux bornes du conducteur ohmique de résistance petit r, d'accord, en fonction du temps. Et voilà la figure. La première question indique la valeur de la pseudo-période. Deuxième question, donner la relation qui existe entre I et UR. D'accord? Expliquez pourquoi la tension UR est négativement au début de la charge. Pourquoi elle va commencer par des valeurs négatives. D'accord? Petit 3, quelle est la valeur de l'intensité de courant à l'instant t égale à 0? On déduit la valeur de la tension UL t égale à 0 à l'instant t égale à 0 aux bobines, aux bornes de la bobine. Quatrième question, exprimer UL en fonction de L, R', I et D sur DT. Cinquième question, en exploitant la courbe ci-contre, d'accord, déterminer la valeur de DI sur DT et à l'instant T est égal à 0, d'accord, et en déduire la valeur de L. Ça marche? Sixième question, déduire la valeur de C. Allez-y. Pour la détermination de la pseudo-période, il suffit juste de, c'est la durée entre deux maximums, c'est celle-là. Alors, entre ce point-là et ce point-là, on a normalement deux carreaux, un 2,5 et un 2,5 millisecondes. Alors, T est égal à 2,5 millisecondes. C'est ça, la pseudo-période. D'accord? C'est simple. Allez-y. Pour la deuxième question, donnez la relation qui existe entre UR et I. Alors, UR, d'après la loi d'Ohm, on va écrire ça, c'est R fois I, c'est tout simplement la loi d'Ohm. Voilà la réponse de la première partie. Après, expliquer pourquoi la tension UR, d'accord, celle-là, elle est négative au début de la charge. Elle est négative, c'est-à-dire
en premier ou bien en la demi-période, pseudo-période, pardon. D'accord? Alors, cette UR qui atteint des valeurs négatives. Donc, on voit que nous avons la pente. La pente, c'est dit, c'est négative, inférieure à 0. Alors, la pente, qu'est-ce que ça veut dire? C'est DUR sur D sur DT. Ça marche. C'est bien, c'est négatif. Il est bien, c'est négatif. Qu'on explique la tension ER négative au début de la décharge. Ça va? Allez-y. Pour faire ça, on va utiliser la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire UC plus UL plus UR est égal à 0. Alors UC plus LDI sur DT plus R'I plus RI, d'accord, est égal à 0. Alors AT est égal à 0, il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit, c'est-à-dire I est égal à 0. Alors, ça est égal à 0, T est égal à 0, T est égal à 0. Et pour UC, UC à T est égal à 0, est égal à tension U0, qui est égal à 12 volts. C'est-à-dire le condensateur utilisé, il est déjà chargé, d'accord? Il est chargé sous une tension U0, est égal à 12 volts. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient que U0 plus L TI sur TT, AT est égal à 0, est égal à 0. Alors, la dérivée de TI sur TT, AT est égal à 0, est égal à quoi? Est égal à moins U0 sur L. D'accord? Mais nous, on cherche DUR sur DT, la dérivée de UR sur DT, et non pas TI sur DT. Alors, parce qu'on a le stade, on s'est mis la relation, les règles qu'il la loi d'homme, les gars, alors, UR, ce que c'est, oui, RI. On drape NFR, on drape NFR, ça je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, DDL RI sur TT. Et là, c'est une constante. La résistance, elle a une valeur, c'est une constante. Donc, on drape la dérivée. C'est un moins RU0 sur L. Je n'ai RI. RI, il y a UR. Alors, DUR, c'est un DUR sur TT. À T égale à 0. Est égal moins R U0 sur L. Alors L positif, U0 positif, R aussi positif. Alors, qui annule le signe moins, cela veut dire que la pente elle est négative. D'accord? Alors, puisque la pente est négative, alors c'est automatiquement la tension UR, ça va prendre des valeurs négatives au début de la décharge. Ça marche? Allez-y, en passant à la question suivante, quelle est la valeur de l'intensité de courant à l'instant t est égal à 0? Alors, AT est égal à 0. Regarde la courbe d'Yana. AT est égal à 0, il a dit. On a vu qu'il a dit AT est égal. Chaque qui savait tension UR, et le chemin, la courbe n'est qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça donne 0? Yani UR est égal à 0. Wah, AT est égal à 0, UR est égal à 0. Mais je vais chercher la courbe. كونوا فاهمين الوغ شنو عندنا يو اش كتساوي هي ار فوا اي اذا بغيت نجبد هذه في الصفر وهذه في تي تيغالا زيرو ديجا قلنا ان ار فوا اي زيرو غتخرج كتساوي زيرو علاش حيت يو ار تيغالا زيرو في تي في الديبي ديال الديشارج فاهمين اذا اي زيرو تيغالا زيرو سور ار ستادير اي زيرو تيغالا زيرو à démontrer n'allez. Alors, on déduire la valeur de la valeur de tension UL 0 à l'instant T est égal à 0 au bout de la bobine. Alors, déjà, UL, la loi d'additivité des tensions, DUC. Alors, la première partie de la question, ou la deuxième partie, ça va. Alors, UC plus UL plus UL plus UR égal à 0. AT est égal à 0. UC 0 plus UL 0. AT est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a alors? Plus UR 0 est égal à 0. UR, AT est égal à 0. Là, il y a qui s'est 0. D'accord? Et il y a un chat. Ce qu'il y a UC ou UL. UC est égal à 0. Initialement, le condensateur, il est chargé. D'accord? Alors, il y a U0.
plus UL 0 est égal à 0. Alors UL à l'instant t est égal à 0, c'est moins U0. Alors UL, tension au bord de la bobine, est égal à moins 12 volts. Voilà, on a trouvé maintenant la valeur de la tension UL à l'instant t est égal à 0. D'accord? UL, c'est la tension au bord de la bobine, avec sa résistance interne, bien sûr. D'accord? Très bien. En passant maintenant à la question 4. Exprimer UL en fonction de L et R' IIL. Et D sur D. La question, c'est simple. Juste pour la relation, il y a le cours. UL, je sais, oui. Il y a L, D sur DT. Plus R' fois I. Et là, c'est une bobine réelle caractérisée par une résistance interne et coefficient d'induction. Alors, tension UL, c'est celui-là. UL, c'est LD sur DT plus R' I. Ça marche. La question suivante, en exploitant la courbe, c'est contre, déterminer la valeur de DI sur DT. À l'instant t est égal à 0. T sur dt, je n'ai pas. T est égal à 0. Il y a 1 sur r, dur sur dt, t est égal à 0. Je n'ai pas de chef. La question 2. Il y a la pente de la tangente à t est égal à 0. Ça marche? Voilà, il y a tangente comme ça. On dit là la pente, là, on a deux points. Alors, le point là, il y a dit bien sûr 0, 0, on se met un point initial. Au tenir, il y a le point final, il y a dit. On se met un point final. Ça marche. Résumé de la pente d'abord. Parce que le cas de la pente, il y a dit, on va dire que c'est moi à la R. On va dire que c'est sur DT. Fahmin? Allez. On va calculer maintenant la pente. C'est simple, d'accord? On a deux points. Alors, le point là où là, ça se compte, il y a. C'est moins 0,15. Alors, DUR sur DT, T est égal à 0. Point final, UR final, c'est moins 0,15. Initial 0. T final, c'est à peu près 0,1, 0,2, 0,3. Alors, 0,4, ça, c'est 0,4. Millisecondes, 10 à la puissance moins 3, moins 0. 3 est égal à moins 375 volts par seconde. D'accord? C'est ça la pente. Alors, d'abord, je vais dire que je DI sur DT carré, sur DT à T est égal à 0, on se met à la R. Alors, DI sur DT à T est égal à 0, tout simplement, c'est moins 375 sur petit r. Petit r, je vais dire les données. Alors, c'est moins 12,5. D'accord? Alors, la pente DI sur DT, DI sur DT, ce que tu sais, oui. T est égal à 0. Regarde la deuxième question. U0 sur L. Alors, moins U0 sur L est égal à 12, moins 12,5. Moins, mal, moins, taïd. Là, je vais vous montrer la L. Alors, L radiale, je vais vous placer à 12,5. C'est-à-dire UL est égal à 12. Alors, c'est U0, d'accord? Et 0, il y a 12, je vois. Sur 12,5. U0, c'est 12. Sur 12,5. Alors, L, c'est 0,9 Henry. On a pris l'inductance L. Ça marche? Allez-y. Déduire la valeur de C. Alors, pour trouver la valeur de C, qu'est-ce qu'on a? On a L et on a. Alors, on suppose que T est à peu près égal à T. T0 est égal à 2,5 millisecondes. Alors, et on a T est égal à T0, 2 pi racine. LC, alors t carré est égal à 4 pi carré. LC, pour C, c'est T0 au carré sur 4 pi carré fois L, application numérique, c'est 2,5 10 moins 3
au carré sur 4 pi carré fois 0,9. On va faire rapidement l'application numérique. C'est 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Le tout au carré divisé par 4 fois pi carré. D'accord? Fois 0,9. Voilà. On trouve alors combien? 0,17. 0,17. 10 à la puissance moins 6 farad. Alors à peu près 0,17 microfarad. Et voilà la valeur de la capacité du condensateur utilisé dans cette expérience-là. On va faire l'exercice 8. Alors le condensateur est la bobine de composantes électriques qui emmagasine de l'énergie. L'échange entre lorsqu'on les branche dans un circuit électrique. Dans cet exercice, on se propose de faire une étude d'un circuit LC idéal. Alors, un groupe d'élèves a réalisé l'expérience suivante. Elle charge totalement un condensateur de capacité C sous une tension continue U et on le branche avec une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. D'accord? Voilà la figure. On a la bobine d'inductance L en série avec un condensateur de capacité C. Alors, recopiez sur votre feuille la figure 1 et représentez en convention récepteur la tension UC au bord de kappa, bien condensateur, et tension UB au bord de la bobine. Deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Troisième question, la courbe figure 2 qui représente la variation de tension UC en fonction du temps. En exploitant cette courbe, écrire l'expression numérique de UC. D'accord? Alors la courbe de la figure 3, c'est ça la figure 3. D'accord? Elle représente la variation de l'énergie magnétique en fonction du temps. Quatrième question, montrer que l'énergie magnétique s'écrit sous cette forme. D'accord? Cinquième question, on déduit à l'expression de l'énergie magnétique maximale, la valeur maximale de l'énergie magnétique en fonction de C et U. Sixième question, à partir de la courbe, déterminer la capacité C du condensateur. Septième question, d'accord, calculer la valeur de l'inductance L de la bobine. Allez-y. Pour la première question, on va représenter juste les tensions UC et UB. Alors, en convention, bien sûr, récepteur, d'accord? Alors, dans la convention récepteur, l'intensité de courant toujours dans le sens inverse du tension, d'accord? Alors, I de gauche vers la droite, alors UB, ça sera de droite vers la gauche, et on va continuer l'intensité I. Alors, pour le condensateur, I de droite vers la gauche, alors UB dans le sens inverse. UC, pardon, UC de gauche vers la droite. Pour établir l'équation différentielle, c'est simple. On va utiliser la loi d'additivité des tensions. Alors, UC plus UB est égal à 0. UC plus LDI sur DT. On a une bobine idéale, d'accord? Résistance interne négligeable. Alors, I est égal à CDUC sur DT. La dérivée de I sur DT, on va dériver ce terme-là. Alors, c'est une constante, c'est la dérivée seconde de UC sur DT. On va remplacer dans l'équation différentielle, on trouve UC, LC, dérivée seconde de UC sur DT carré est égal à 0. Alors, on va multiplier fois 1 sur LC. On obtient dérivée seconde de UC sur DT carré plus 1 sur LC. UC est égal à 0. Et voilà notre équation différentielle. Troisième question. Alors, comme vous voyez dans la courbe, on représente une fonction sinusoïdale. Alors, normalement, puisque l'équation différentielle s'écrit sous cette forme, oméga 0 au carré x est égal à 0, c'est une équation d'un oscillateur harmonique, d'accord? Alors, la solution de cette équation-là, c'est x de t est égal à x max cosinus
oméga 0 t plus phi. Voilà. On va essayer de faire de trouver de décrire pardon, de décrire la solution UC sous cette forme-là. Alors on a UC de t est égal U grand U M cosinus de oméga 0 c'est 2 pi sur t0, d'accord? Avec oméga 0 c'est 2 pi sur t0, d'accord? On a déjà vu ça dans le cours, c'est 2 pi sur t0 t plus la phase à l'origine phi, on peut noter phi 0, d'accord? Alors l'expression numérique, alors Dolbert bravo l'expression numérique, c'est-à-dire il faut remplacer ça par des valeurs numériques. Alors UC de t, alors c'est il faut déterminer UM. Alors UM d'après la courbe est égal, c'est la valeur, l'amplitude maximale. L'amplitude maximale c'est 4 volts. Alors c'est 4 volts, ça d'après la courbe, d'accord? T0 c'est la période propre. La période propre c'est la durée entre deux maximums successives, d'accord? C'est T0. Alors ici 0, 1, presque 1,4. Voilà. Et voilà. C'est 1,4. 1,4 millisecondes. Tiens, il y a d'après la courbe. Il y a phi 0, la phase à l'origine. Alors pour la phase à l'origine, alors on sème le U, on a tension maximale ou U. D'accord? Alors pour la phase à l'origine. Bien sûr, quand on dit à l'origine, il y a AT est égal à 0. AT est égal à 0, c'est qui c'est tension UC. UC, AT est égal à 0. Alors, je vous dis, T est égal à 0, je me dis qu'il y a 4, il est égal à 4 volts. Alors, si la solution d'Eli, on a fait mal à T, on a 0. Alors, UC est égal à 4 cosinus 2π sur T0 fois 0 plus phi 0. Si AT est égal à 0, c'est-à-dire 4 cosinus de phi 0. Alors déjà, UC AT est égal à 0 est égal à 4. Il y a chi quand même qui s'est dire 4. C'est-à-dire cosinus phi 0 est égal à 1. Cela veut dire que phi 0 est égal à 0. Allez, cosinus de 0 ou 1. Ça marche? D'abord, j'ai l'expression de UC que je vois d'une manière générale, UC de T. T égale à 4 cosinus 2π sur T0. Alors, 2π sur T0, et là, je dis 2π, elle a 1,4 10 moins 3, ça donne à peu près 4,5 10 à la puissance 3 fois T. Phi 0 est égal à 0. Résumé la valeur ninja, c'est-à-dire 2π sur T0, il y a 1,4 10 à la puissance moins 3. Elle dit, c'est bon, j'attaque 4,5, 10 à la puissance 3. Fermine, fois le temps. Maintenant, on va faire ici en fonction du temps. D'abord, je vais le T, l'expression. Il va le T, l'expression, parce que je vais le faire. Fermine. Alors, la question suivante. Montrer que l'énergie magnétique EM s'écrit sous cette forme. Alors, l'énergie magnétique, par définition, HNEIA. L'énergie magnétique, qu'est-ce qu'on a ici? L, 1 demi, L, I. De t au carré. D'accord. Je vais vous donner un exemple. UC de t, c'est U cosinus de pi sur t0 t. Phi 0 est égal à 0. Alors, si on a I, c'est en fonction de cosinus ou H. Alors, si on dit la relation bin I ou UC. Alors, I de t, c'est C TUC sur dt. Si on dérive, le terme هذا ولا هذه الاكسبرسيون اللي عندي الفوق الوغ ديريفي ديال هذا الشيء اش تعطيني هي موان 2 بي سور تي 0 فوا سي فوا اي سينيس ديال 2 بي على تي 0 فوا تي تري بيان maintenant غنعوض هاد اي اللي كاين عندي هنا بهذا لو تيرم كامل غندير ليه او كاري فاهمين هتولي لينيرجي magnétique à l'instant t est égal 1 demi L I au carré, il y a 4 pi carré sur T0 au carré, fois C au carré, fois U au carré, fois sinus d'IL 2 pi sur T0
T, le col au carré. Sinus au carré, ça fait. Alors, puisque on a des oscillations périodiques, ou bien un régime périodique, alors T0 est égal à 2π racine LC. Alors T0 au carré est égal à 4π carré LC. On remplace l'énergie magnétique est égale à 1 demi fois L fois 4π carré. Ou T0 au carré, on a 4π carré LC fois C au carré U sinus de 2π sur T0 T au carré. Alors, qui veut lire Naya? Qui veut lire C simplifié avec C carré, L simplifié avec L, 4π carré avec 4π carré. Je vais vous lire un dix, c'est oui, 1 demi. L, il y a C U au carré sinus de 2π. Elle est T0 T au carré, sinus au carré, ça fait. On a les relations trigonométriques sinus au carré de l'angle alpha qui s'est lié à non, qui s'est lié 1 plus 1, pardon, moins cosinus 2 alpha sur 2. يعني عندي هنايا واحد السينيس او كاري ديال شي حاجه ديال واحد لونغل. هاد السينيس او كاري غنعوضوه ب 1 موان 2 فوا هادشي سور 2. داكور. الوغ او لينيرجي مانيتيك ان انستون تي غتولي تساوي واحد الدو غتخرج غتضرب في الدو غتولي 1 سور 4 سي او او كاري فاكتور دو 1 موان كوسينيس 4 حيت 2 في هادشي كامل هي 2 فوا 2 هي 4 بي T0 T. Et voilà. On a trouvé l'expression de l'énergie magnétique, d'accord? Sous la forme demandée dans la question. Alors, 1 sur 4, c'est au carré, facteur de 1 moins cosinus 4 pi sur T0 T. Ça marche. Passons maintenant à la question suivante. On déduit l'énergie maximale. La valeur maximale de l'énergie magnétique en fonction de C et U. D'accord. Alors, voici le cas. Maintenant, l'énergie magnétique. En fonction du temps, chaque c'est oui, 1 sur 4, d'accord? C U au carré, 1 moins cosinus de 4 pi sur T0 fois T. Il y a l'expression qu'on a précédemment, on déduit l'énergie magnétique maximale. Et là, j'ai le diagramme énergétique. Alors, on a l'énergie. Quelle est l'énergie électrique? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il y a parce qu'on peut avoir initialement le condensateur chargé. Il y a l'énergie. C'est l'énergie électrique. Ou que j'ai moi l'énergie magnétique. Très bien. C'est Allah. Je vais dire la même couleur. Je vais vous dire. C'est l'énergie magnétique. Alors, est-ce qu'on a la période énergétique? Est-ce qui c'est William? La période énergétique que c'est où il y a T0 les jauges. Pas T, c'est moi T0. La période énergétique que c'est où T0 les jauges. T0, il y a la période propre sur 2, d'accord? Alors, il me semble que l'énergie magnétique maximale. Faites T, c'est ça que c'est T. Que c'est où T sur 2. La période de l'énergie sur 2. Qu'est-ce que l'énergie maximale, l'énergie magnétique maximale? Ou T0 qui c'est où il y a? T0 qui c'est où T0 sur 2. Yani T0 sur 2 fois 2. T0 sur 4. Yani pour T est égal à T0 sur 4, l'énergie d'Eli magnétique qu'est-ce qu'on maximale. كون ماكس حيت انا كتشوف انها ماكسيمال داكور. الوغ غنمشي ليكسبرسيون ديالي ديال اون فونكسيون دو طون فيما نلقى تي نعوضها ب تي زيرو سور 4. سا مارش. الوغ انرجي مانيتيك ا تي ايكال تي زيرو سور 4 ايكال لينرجي مانيتيك ماكسيمال ماكس ايكال 1 سور 4 فوا سي او او كاري 1 موان كوسينيس 4 بي سور تي زيرو فوا باش نعوض تي قلنا غنعوضوها بتي زيرو سور 4. الوغ تي زيرو غتمشي مع تي زيرو و 4 غتسامبليفي مع 4 غتبقى لي هنايا غتبقى لي هنا كوسينيس دو بي
وشنو هي كوسينيس بي؟ تيغالا موانزا. الوغ موانزا فوا فوا موانزا، عندنا واحد لو سين موا، ردوا البال، عندنا واحد لو سين موا هنا، لو سين موا هنا، الوغ موا فوا موانزا هي بلوس ان، هتعطيني هي لينيرجي مانيتيك ماكسيمال، هي ان سور كاتر سي او او كاري، ان موا موانزا، هادي تعطينا دو، دو هنا عندنا كاتر. غتسامبليفي دو مع واحد دو كاين هنا، هنا كاتر هي دو فوا دو، غنسامبليفي دو مع دو تبقى لنا هي ان دومي، الوغ لينيرجي مانيتيك ماكسيمال هي ان دومي سي او ماكس او كاري، اي فوالا حنا بينا اليوم ان لينيرجي مانيتيك ماكسيمال كتساوي ان دومي سي او او كاري، وداكشي اللي بغاو قالك بين ان لا فالور ماكسيمال ديال لينيرجي اون فونكسيون ديال من ديال سي او اي، داكشي اللي لقينا فاهمين. La question suivante. À partir de la courbe, d'accord, déterminer la capacité du condensateur. La courbe d'Elish fait l'énergie magnétique en fonction du temps. Fermez. Alors, l'énergie magnétique maximale, je vais vous dire que c'est la question. L'effet, un demi CU au carré. Au U, je vais vous dire 4 volts. Je vais vous dire la figure 2. La figure 2 داكور، وبقات ليا سي ما عارفينهاش، وداكشي اللي بغينا نجبدو. وشحال كتساوي هاد لينيرجي مانيتيك ماكسيمال؟ هي اقصى قيمه كتوصل لها اللي هي 0.4 ميلي جول، اي لينيرجي مانيتيك ماكسيمال لا فالور ديالها هي 0.4 ميلي جول. هادي جبناها من لا فيغور 3 اللي هي قدامنا دابا، اللي هي هادي. الوغ نرجعو نجبدو السي من هاد لا غولاسيون هادي. الوغ السي اش كتساوي من هنا؟ سي ايتيغال دو لينيرجي مانيتيك ماكسيمال سور اي او كاري. اون فا فيغ اون ابليكاسيون نيميريك. اش كفي هاد لابليكاسيون نيميريك؟ سي ايتيغال دو فوا لينيرجي مانيتيك ماكسيمال اللي هي 0.4 رد البال ميلي جول، خصها تكون بالجول، ضربها في 10 اس ناقص 3 على اي او كاري اللي هي 4، داكوغ؟ 4 ولكن رد البال او كاري. الوغ تعطينا سي تيغال 50 فوا 10 لا بيسونس موان 6 فاراد. نقدروا نكتبوها اوسي سو فورم دو 50 ميكرو فاراد. صافي تري بيان. الوغ لا كيسيون سويفونت، كالكولي لا فالور دو ال دو لا بوبين. الوغ ديجا في لا دوزيام فيغور شنو جبدنا؟ جبدنا سكون ابيل لا بيريود بروبر اللي هي تي 0. لقينا ان تي 0 ايت ايغال 1.4 ملي سكوند. وكنعرفوا ان تي 0 واش كتساوي؟ هي 2 بي راسين ال سي. الوغ سي لقيتها في لا كيسيون 6 و تي 0 لقيتها في لا كيسيون 2. اش خصني نجبد دابا؟ بغاو نجبدو لانديكتونس ال. باش نجبدو لانديكتونس كتبان لي انها كاينه داخل الغاسين. باش نحيد الغاسين كنرفع كلشي او كاري، تولي عندي تي 0 او كاري تيغال 4 بي كاري ال سي. دابا عاد نقدر نجبد ال. الوغ ال اش كتساوي؟ هي تي 0 او كاري، هادشي اللي مضروبه في ال نقسمو نحطو تحت تي 0 هي 4 بي كاري سي. ابليكاسيون نيميريك داكا، عطينا ال تيغال تي 0 شحال؟ هي 1.4، ولكن ما ننساش نضربها في 10 بويسونس 1.4 4 5 10 la puissance moins 3 كل او كاري عدو البال 4 بي كاري فوا سي اللي لقيناها هي 50 ميكرو فاراد، يعني 10 la puissance moins 6. الوغ نلقاو ال تيغال 3 10 la puissance moins 3 هنري. نقدر نكتبها اوسي ان ال تيغال 3 ميلي هنري. اي فوالا on a trouvé la valeur de l'inductance de la bobine utilisée dans ce circuit-là, d'accord? Alors, on va faire l'exercice 9. On réalise le circuit de la figure 1, qui est constitué de, d'accord, un générateur de force électromotrice E est égal à 12 volts, d'accord, est égal à 12 volts, et d'une résistance négligeable, d'accord, condensateur de capacité C et un résistor résistance, c'est-à-dire résistor, c'est-à-dire un conducteur ohmique de résistance R est égal à 200 ohms. Une bobine d'inductance L de résistance interne négligeable, c'est-à-dire petit r est égal à 0.
Un interrupteur K, double position, la position 1 et la position 2. Alors on ferme l'interrupteur sur la position 1 jusqu'à ce que le condensateur soit chargé complètement, puis on le bascule vers la position 2. À un instant considéré comme origine des temps, T0 est égal à 0. Alors établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur. Deuxième question, trouver l'expression de la période T0 dans l'oscillateur en fonction de L et C pour que l'expression Q est égale à Q max cos 2π sur T0t soit solution de cette équation différentielle. Troisième question, vérifier que la période est homogène du temps. C'est-à-dire on va faire l'analyse dimensionnelle de T0. Quatrième question, calculer la valeur de Q max de la charge du condensateur. Après, d'après la figure 2, c'est celle-là, c'est l'énergie électrique en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la période de l'énergie, T est égal à T0 sur 2. On va déterminer la période propre. Petit b, on déduira la valeur de coefficient d'induction, c'est l'inductance L. Et la dernière question, on rappelle que l'énergie totale du circuit est à chaque instant la somme de l'énergie électrique et magnétique, d'accord? Et magasinée respectivement dans le condensateur et dans la bobine. Montrer que l'énergie E totale se conserve, c'est-à-dire E totale est égale à une constante, d'accord? Calculer sa valeur. Soit on calcule sa valeur, soit on va tirer la valeur de l'énergie totale à partir de la courbe. C'est clair? Allez-y, on commence la première question. On va établir maintenant l'équation de différentiel vérifié par la charge. Alors on va représenter tout d'abord les tensions. Alors on a ici l'intensité de courant dans ce sens et tension UC et tension UL. D'accord? Alors d'après la loi d'additivité des tensions, alors UC plus UL est égal à 0 puisque la résistance interne de la bobine est négligeable. Alors UC plus LDI sur DT est égal 0. Alors on a UC est égal à Q sur C et I est égal à DQ sur DT. Alors si on dérive l'intensité I, DI sur DT, on obtient la dérivée seconde de la charge. Voilà, on va remplacer maintenant dérivée de I par dérivée seconde et on remplace UC par Q sur C. Alors Q sur C plus L dérivée seconde de Q sur DT carré est égal à 0. On va multiplier fois 1 sur L. On obtient dérivée seconde de Q sur DT carré plus 1 sur LC. Q est égal à 0. Et on a montré sur l'équation, montré l'équation différentielle vérifiée par la charge. Après la deuxième question, trouver l'expression de T0, sachant bien que l'expression de la solution Q du T est égale à Q max cosinus de pi sur T0 fois T. Alors, on a l'équation différentielle s'écrit sous cette forme, dérivée seconde de Q plus 1 sur LC dérivée de Q est égale à 0. Alors, on va dériver la solution deux fois. Alors, DQ sur DT, c'est moins QM de pi sur T0 sinus de 2π sur T0t. On va dériver la deuxième fois. dt carré, c'est moins qm 4π carré sur T0 au carré cosinus 2π sur T0t. Maintenant, on remplace la solution dans l'équation différentielle. Alors, dérivée seconde, on a ordre moins Q, 4π carré, sur T0 au carré, cosinus de pi sur T0t, plus 1 sur LC, Q max, cosinus de pi sur T0t, est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je vais mettre Q max cosinus, on a mis le bien. Alors, Q max, cosinus de pi sur T0t, facteur de moins 4π carré sur T0 carré,
plus 1 sur LC. Et quand je vois le terme en face de drôme, drôme 1, 4 tiers, 4 pi carré sur T0 carré, ou le terme madame, drôme 1 sur LC. Alors, est égal à 0. Alors, ça, c'est la solution. Il est bien sûr différent de 0. Alors ce terme-là est égal à 0 pour trouver cette égalité et les vérifier lorsque ce terme, moins 4 pi carré sur T0 au carré plus 1 sur LC est égal à 0. Alors, ça est égal 4 pi carré sur T0 au carré est égal 1 sur LC. Alors, le signe moins, le signe moins, et taïdo. T0 est là, il faut que LC est là. Tu l'as, T0 au carré est égal à 4 pi carré LC. Après, je vais continuer ici. Je n'ai pas assez d'espace. Alors, dès la racine, c'est un T0 est égal 2π racine LC. Et voilà l'expression de la période propre T0 en fonction de LC. D'accord? La question suivante. Vérifiez que la période est homogène à un temps. Alors, on a T0 est égal à 2π racine LC. Alors, dimension de T0 est égal à dimension de 2π est égal à 1. La racine de dimension de C fois dimension de L. Voilà, on cherche dimension de C. Alors, on a I est égal à C DUC sur DT, qui va donner que dimension de I est égal à dimension de C fois dimension DUC, dimension d'une tension, sur dimension du temps. Alors, C, d'après cette égalité, est égal à dimension de I fois T sur I. On cherche maintenant L. Alors, on a I. L est égal à LDU sur DT. Alors, L, dimension de U, est égal à dimension de L fois dimension de I sur dimension du temps. Donc, L, dimension de L, c'est tout simplement dimension de U fois T, dimension du temps, sur dimension de l'intensité. Alors, ça est égal à 1. D'accord? Puisque pi, le radian, on va faire les unités. D'accord? Alors, T0 est égal à la racine C, il y a I fois T sur U, fois L, il y a I, U fois T sur I. Voilà, on va simplifier I avec I, U avec U. Qu'est-ce qu'on obtient? La racine de T au carré. Alors, on trouve que T0 est homogène à un temps. Voilà, l'unité d'erreur, ça se compte seconde. Ça marche? La question suivante. Calculer la valeur de Qm, Q max, la valeur maximale de la charge du condensateur. Alors, on a Q est égal à C fois UC. Parce qu'est-ce qu'on a Q max, qu'est-ce qu'on a U max. C'est oui, U max. D'accord? Alors, U max, est-ce que c'est oui, une E? Alors, Q max, Qm, c'est mon Qm, chez max, est égal à C fois E. Alors, c'est à quoi lier les données? Il y a 4,7. 10 moins 3, ou E est relié à 12 volts. Ça marche? Alors Qm est égal à 56,4, 10 à la puissance moins 3, coulomb, et quand on écrit pas Aiden, il y a 50, facile, millicoulomb. Ça marche? On passe maintenant à la question suivante. La figure 2 représente les variations de l'énergie électrique en fonction du temps. Et sachant que la période T de l'énergie est égale à T0 sur 2. C'est égal à la moitié de la période propre. Quelle est la période propre chaque T. Alors T, c'est la distance, ou bien la durée, pardon, entre deux maximums successifs. Alors on a c'est 0,15, on a 0,3. Alors là, c'est 0,15. Alors T, c'est 0,15. Seconde. Ouais, on a T est égal à T0 sur 2. Alors T0, les canquels, qu'est-ce que c'est? Il y a 2T fois 2 fois T. Voilà, T, il y a 0,15. Alors T0
égal à 2 fois 0,15. Alors, le cas où on a T0 est égal à 0,3 secondes. Très bien, ça marche. La question suivante, on déduit la valeur de coefficient d'induction de la bobine. Alors, on a T0, on a démontré que T0 est égal à 2 pi racine LC. Alors, T carré est égal à 4 pi carré LC. Alors, L est égal T0 au carré sur 4 pi carré C. Application numérique. T0 là, le d'abord. D'accord? Le au 0,3. Oui, 0,3 secondes. C'est 0,3 au carré sur 4 pi carré fois C, il y a 4,7 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire, on va lire les données. L de la bobine est égal à 0,80, d'accord, 80 Henry, l'IS 0,5 Henry. Très bien. La dernière question. On rappelle que l'énergie totale du circuit à chaque instant est la somme de l'énergie électrique et l'énergie magnétique. L'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique, d'accord? Ce qu'on a fois l'énergie électrique, il y a 1 demi CUC de T au carré. Ce qu'on a fois l'énergie magnétique, il y a 1 demi LI au carré. Quelque chose dit bien, il se conserve, c'est-à-dire c'est une constante. Alors, si on a une constante, on va dire la dérivée de l'eau, on va dire qu'il y 0. Alors, la dérivée de DET, c'est 1 demi C fois la dérivée de ça, c'est 2 fois UC fois DUC sur DT. L'imarf, fonction est une fonction de x au carré, prime d'IA, qu'est-ce qu'on y a 2 fois f de x prime. D'accord? Avec qui n'a pas de un demi L fois 2 fois I fois DI sur DT. Ça marche? Alors, petit 2 mais 2, petit 2 mais 2. Vous connaissez la chose. Avec, non. Je ne connais pas. On a I, que c'est UC, DUC sur DT. Il y a des I qui n'est pas. Je vais vous dire. C'est DUC sur DT. Et la dérivée de I sur DT, je vais vous dire. Dérivée de chi. Il y a C dérivée seconde de UC sur DT. Ça marche? Allez-y. Ça se voulait indi. Hachi. Hna kan arfo hachi. Rien à oudre. Alors, DUC. D au total, pardon. Sur DT, est-ce que tu sais où il y a? Tu sais où il y a C fois UC DUC sur DT. Plus L fois I, il y a C DUC sur DT. Fois dérivée de l'I, il y a C htahia, entre les C carré, dérivée seconde de UC sur DT carré. Alors, كتب لي واحد سي دي يو سي سي دي يو سي كتعاود نعمل بها سي دي يو سي سيغ دي تي عامل فاش مضروبة هادي مضروبة في يو سي وهادي فاش مضروبة في ال سي كاري واحد السي خرجناها تبقى ال سي ال سي ديريفي سكوند ديال يو سي سيغ دي تي كاري صافي الوغ شكون هي هادي باش فكراتكم هادي هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال اش كتساوي دي تيكالا زيرو بما ان هذا يخالف الصفر شي حاجه كتخالف الصفر في الصفر يعني كتساوي لنا صفر دونك ديريفي دو او توتال سور دي تي ايتيغال ا زيرو سولا فو دير كو لينيرجي توتال سي اون كونستانت فوالا سا مارش الوغ سي اون فو تروفي سا فالور سا فالور جو دوم لا كور ديريكتومون فوالا هادي لينيرجي الوغ لينيرجي توتال كما تعرفوا هذه اللي هي كتساوي ليا لينيرجي الكتريك ماكسيمال وكتساوي اشنو اخر لينيرجي مانيتيك ماكسيمال اشنو عندي هنايا عندي لينيرجي الكتريك غنشوف اقصى قيمه كتوصل ليها مالوغوزمون ما عطاوناش لي غادياسيون هنا قالوا ما نقدرش نبداو من لاكور انا ابليكيو لا غولاسيون ديريكتومون سا مارش اليزي الوغ لينيرجي توتال قلنا ايتيغال لينيرجي الكتريك ماكسيمال est égal à 1 demi Q max sur C au carré. Il y a Q max, Q max, il a fait la question 3, je pense, en maths 4, rajoute 56, d'accord? 4 fois 10 à la puissance moins 3.
هذه عندي لا او كاري سور 2 فوا سي 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 4.7 10 الى بويسونس موان 3 نديرو لابليكاسيون نيميريك نشوفو اوتو طاش شحال تخرج اون فا اوتيليزي نو كالكيلاتريس الوغ سي 56.4 fois 10 à la puissance moins 3 le tout au carré sur 2 fois pardon 2 fois 4,7 10 à la puissance moins 3 oui moins 3 alors on obtient 0,34 alors c'est 0,34 joules les unités là derrière les com d'autant en milliard et il faut que je compte les unités d'hier que ce qu'on a je parie très riche je parie de l'espoir et sur ça et là je parie de l'espoir et je parie de l'espoir l'unité d'hier ou je n'ai rien il y en aura comme un cas de marque comme un arbre nous qu'à dire donc je laisse un insister d'image les unités l'élève qui qu'on a les unités d'hier que les haja tu qu'on a l'ordre de grandeur car qu'on a اش من غروندو خدام بيه يعني شحال خصو يخرج ليه شحال خص ما يخرج ليه داكو بون حتى انا كنكون سيري ليكزيرسيس شكرا على حسن التتبع تهلاو ليا فراسكم ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم مع صحابكم الله يعاون بون كوراج الشباب